Et bonjour, enfin voilà. Bonsoir. Si d'être si nombreux. Merci d'être là ce soir avec nous. Voilà. Hein, absolument aucune ironie. Derrière, non, pas du tout. Non, bah merci à ceux qui sont là. Enfin, celle. Entre autres. Salut Kelly. Ah non, il y a j'ai des gens. Yes. Il y a des gens. Ouh. L'honneur est sauf. Ouais, donc merci d'être là pour un petit live qui va changer de ce qu'on fait d'habitude. On va toujours parler de jeux de rôle. Cette fois-ci, on va plus parler. Enfin, on va pas faire du jeu de rôle, déjà. Il change. On va pas faire du jeu vidéo, mais on va parler jeu de rôle et façon de faire du jeu de rôle. Ah bah si, il y a Lucie. Oui, vous êtes chaud. Il revient. De réfléchir à la proposition de venir par chez vous. D'accord. Okay. qu'est-ce que je disais? Donc oui, le principe de ce soir, c'est qu'on va parler... alors, j'ai sorti une vidéo... sur la comment faire des scénarios d'enquête à partir de séries télé, notamment Columbo. Et donc après, le principe, c'est déjà de parler des choses moi, que j'aurais pas forcément évoqué pendant la vidéo, et puis surtout bah, éventuellement évoquer des points de vue que je fais des scénarios d'enquête. Toi Mina, t'en fais aussi pas mal maintenant que tu masterises. et je trouve ça intéressant parce que moi derrière, j'ai pratiquement une vingtaine d'années de pratique de jeux de rôle. Merci Théo, salut, bonne soirée. Voilà, j'ai une vingtaine d'années et toi, ça fait combien? Même pas une vingtaine de mois, une vingtaine d'heures. Ça fait longtemps. Bah, tu fais du jeu de rôle. Oui, ça fait du jeu de rôle depuis quelques années, depuis mais en tant que jeu, ça fait quelques mois. Bah, depuis quelques mois, voilà. Et je trouvais que c'était intéressant parce que... Donc moi, j'en fais depuis un sacré bout de temps. Toi, t'en fais depuis récemment. Bah, déjà, de voir comment tu prépares des scénarios d'enquête, de quoi tu t'inspires, etc. Donc toi, tu fais essentiellement du cuisine, hein, vu que tu le live sur... le CAF. N'est-ce pas? Ah, toujours aussi nombreux à regarder les... D'ailleurs, j'ai des joueuses qui sont là, n'est-ce pas? Ouais. Il y a des joueuses et des joueurs. T'as tout, t'as Lucille. Bah, là, pour l'instant, il y a que des joueurs. Ou des joueuses. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je dis les joueuses, les filles en force. Voilà. Donc tu pourras, comment dire, spoiler à mort les futurs scénarios. Oui, bah disons ce qu'on a fait, je vais pouvoir... Je vais pouvoir spoiler les parties déjà faites, quoi. Les parties déjà faites. Mm-mm. Alors, toi déjà, donc t'as commencé il n'y a pas longtemps à faire tes propres scénarios. Quand t'as commencé ton premier scénario, déjà, moi, la surprise que j'ai eue, parce que j'ai joué, hein, il y avait Théo, il y avait moi, il y avait Lucille, justement. N'est-ce pas? Alors, meilleur jeu de Wizzing, Lucille, c'est parce que aussi, c'est la seule que tu connaisses. C'est ça. C'est forcément... mignonne. voilà. Et moi, la surprise que j'avais eue, et qu'on a tous eu quand on a fait la première fois ton scénario, moi, je me suis dit, bah, elle a fait un scénario du bouquin. Et en fait, pas du tout. C'est que tu l'avais créé, ton scénario. Et donc, du coup, bah, comment ça s'est passé? Comment tu l'as créé? Comment tu as... Ça t'est venu de quoi, l'idée? Je pense que plutôt que ce scénario-là, c'est plus les... Les scénarios que je crée en général. On parlait de séries télé, mais c'est vrai que j'aime pas mal m'inspirer de séries, de films, ou alors des bouquins que je lis, ou la littérature aussi. Ouais. Y a des choses, je vais pas en dire trop, parce que sinon, je voudrais pas que ça spoil, trop. Amité me donne des frissons. Bah, j'espère que je vous fais un peu peur, là, à la base, c'est quand même un jeu d'horreur. Ouais, parce que moi, j'entends surtout rigoler. J'entends pas forcément... Oh, des fois, il y en a quand même pas large, quand même. Ouais. Mais pas mal de séries, séries policières. Et c'est vrai que j'ai... Bah, c'est avec toi aussi que j'ai découvert Columbo. Tu t'avais jamais vu Columbo? Non. Et sans tu déconner. Sais quoi? Ouais, je te jure. Et Columbo, je me souviens quand j'étais jeune,
Columbo, c'était un truc dénoté genre, c'est le truc de vieux, le truc de papy, cheap, kitsch, c'était trop has-been de regarder Columbo, tu vois, regarder Columbo, c'était le même niveau de regarder Les Feux de l'amour, quoi. C'est un truc de dingue, parce que moi, à mon époque, et je pense que Cali, je crois que t'es à peu près le même âge que moi, on est de la même génération, nous, regarder Columbo, au contraire, c'était trop cool. Quand Columbo passait à la télé, on était là, oh, ce soir il y a un épisode de Columbo, trop cool. Et moi étant gamin, voilà, ouais. J'adore toujours, mais étant gamin, Columbo c'était l'assurance de passer une chouette soirée, quoi. C'est rare, hein, les séries télé de l'époque où tu te disais, ouais, ben super, j'ai un épisode de Columbo. À l'époque, moi, ça dure longtemps en plus, un épisode. Ouais, ça dure 1h20 un épisode. C'est comme un film finalement, c'est un et c'est un mini, et voilà, c'est un mini-film avec derrière. Parce qu'il y a beaucoup de films policiers. Il faut dire ce qui est, et ce qui m'agaçait un peu, c'est quand tu regardes un film policier, t'as le héros qui découvre un peu le vilain par hasard. Hein. Genre, je veux dire, le scénario, il est cousu de fil blanc. C'est je vais mener l'enquête, et puis comme par hasard, sur le lieu du crime, il y a un mec qui s'enfuit, c'est le meurtrier, et, j'arrive à le choper, et voilà, l'enquête est finie. Enfin, bon. Il y avait donc un vilain derrière toute cette affaire. Incroyable. Voilà. Non, mais voilà. Alors que Columbo, derrière, outre le côté cool de Columbo, on sait qu'il est le vilain dès le départ. L'approche est très différente. L'approche est très différente de ce qui se faisait aussi à l'époque. Mais ce qui se fait encore maintenant, tu regardes. Enfin, Columbo, t'as pas. Bon, ça reste très original parce que ça part du principe que. Ouais. De toute façon, on sait qu'il va y avoir un crime, il va y avoir un mort. Ouais. Soit, on sait qu'il est le coupable, ok. Mais ça reste vraiment la façon dont il va. Confronter, en fait, le ou la coupable. Ouais. Ça va être le cheminement, ça va être comment il va faire, quelles astuces, quelles preuves il va trouver. Et encore aujourd'hui, je suis en train de chercher des films ou des séries qui font ça. Je crois pas qu'il y en ait. Alors Grenadine serait là, peut-être qu'elle nous aiderait, mais je crois pas qu'il y en ait encore. Là, ça me remonte pas comme ça. Bon, après Columbo, quand on regarde les vidéos de Méa, il t'explique un peu d'où ça vient, Columbo, tout le cheminement, etc. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment la grosse originalité. Mais moi, ce qui me scotche, en fait, ouais, tout à fait honnête, quand tu regardes un épisode de Columbo, c'est extrêmement répétitif dans son cheminement, dans sa scénarisation, c'est toujours la même chose. C'est Columbo, enfin je veux dire, l'évolution du personnage de Columbo, ça c'est un truc, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo quand je parlerai d'évolution de personnage. Columbo n'est pas un exemple à suivre, par contre, dans l'évolution de personnage, parce que Columbo. J'en ai pas assez vu, mais j'ai. Bah non, c'est ça, j'ai pas l'impression qu'il. C'est la seule évolution que vous voyez, c'est entre le premier épisode et le deuxième épisode, où en gros c'est Peter Falk qui tient mieux son personnage. Voilà, mais sinon il a toujours le vieil impère, le cigare, il a toujours un côté dégueulasse, un peu paumé, mais son personnage n'évolue pas. On ne connaît pas les membres de sa famille, tout le temps il nous parle de sa femme, il y a même des théories complètement farfelues. Ah, vous savez, moi, ce que ma femme me dit. Voilà, t'as des théories farfelues sur le fait est-ce que Columbo a une femme, est-ce qu'il a pas une femme, enfin, bon, tout ça c'est un peu démonté. Est-ce qu'il a une vie privée, tu vois, c'est à se demander, parce qu'en fait, finalement, tu vois que le côté réel de son travail. C'est un personnage qui n'existe que par son rôle d'enquêteur. Bah, son rôle d'enquêteur, il met énormément, lui, de sa vie perso comme exemple, mais surtout, ça lui sert comme... sa vie perso lui sert comme un élément d'enquête, parce que, en gros, la technique de Columbo, c'est de se faire passer pour plus bête qu'il n'est, pour que derrière, les gens ne le suspectent pas, parce qu'il évolue dans une sphère qui est forcément élitiste, c'est que des gens riches, hein. À aucun moment vous verrez Columbo discuter avec des gens pauvres, c'est toujours le Gotha de Los Angeles, Hollywood, etc., et des gens qui le prennent de haut. Et côté évolution, Cali dit, la seule chose qui évolue, c'est lui, sa relation avec sa femme. Je sais même pas, on la voit d'ailleurs dans Alors non, on la voit jamais, ils ont fait une série qui s'appelle Madame Columbo et qui est à chier dans le sens où elle dénature complètement ce qu'elle fait dans la série, en fait, c'est qu'ils ont voulu faire un side project, surfer sur la vague de Columbo. Et sauf que ça a complètement... Ah ouais, non, elle est très pourrie parce qu'en gros, la femme de Columbo, quand c'est sorti à l'époque, c'est dans les années 80, début des années 80, ils ont fait cette série-là, ils ont pris une actrice qui avait 23 ans. Columbo, à cette époque-là, enfin, Peter Falk, il avait déjà la quarantaine d'années. Non, c'était pas bon du tout. Les enquêtes étaient pas terribles. Et puis surtout, normalement, comme justification, ils ont fait que Madame Columbo, elle était divorcée de Columbo, quoi.
Alors que dans la série, bah non, il parle toujours il parle toujours de sa femme. Enfin bref, il y a des côtés qui sont pas logiques parce que derrière Columbo, il décrit sa femme comme quelqu'un. Enfin, on s'imagine plutôt vieille, plutôt vieux jeu, pas très, comment dire, pas très dans son temps, un peu comme Columbo, vraiment à l'image de Columbo. Mm. Et en fait, on nous décrit dans la série une nana qui fait des arts martiaux, du chant, de l'opéra, qui danse avec les. Oui, enfin, non, rien à voir. Voilà, rien à voir. Non, ben, ça fait une... J'ai vu une légende. Ah, Mia, salut, t'es pas censée être en JDR, toi. T'as vu une légende comme quoi sa femme était morte. Non, il y a eu un épisode qui s'appelait la... Alors, je sais pas si c'était le titre, c'était la mort de Madame Columbo, où effectivement, dans un épisode, il enterre sa femme. Mais ça fait partie d'une enquête, enfin, voilà, je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, c'est lié à une enquête. Et d'ailleurs, je crois que c'est une actrice connue qui joue dedans, j'ai oublié son nom. J'allais dire Farrah Fawcett, mais c'est pas du tout Farrah. Mais voilà, bon, c'était... Par contre, dans les épisodes de Columbo, il y a toujours des stars qui ont... Oui, il y a eu des beaux castings, oui. Ah ouais, il y avait des souvenirs de Nimoy qui joue dedans. Ouais, Léonard Nimoy, ouais, on l'a vu en plus il y a pas longtemps, l'épisode de Léonard Nimoy. Qui est infect, d'ailleurs, Léonard Nimoy. Il est génial, j'adore. Je suis... ouais. Je l'aime. Bon, il est mort, mais... Voilà. Ça parle les matos, je suis paumé. Ah. Donc ouais Columbo, voilà, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le truc, c'est la construction de comment c'est fait et à mon point ça peut aider dans l'écriture d'un scénario de jeu de rôle, mais pour autant c'est pas, les épisodes de Columbo sont pas à prendre en exemple au sens justement sur le côté évolution de personnage parce que le personnage n'évolue pas. Moi, je dirais que c'est pour l'affaire et c'est vraiment pour l'écriture. Vraiment pour l'écriture, quand tu écris ton scénario, tu dis je vais me mettre dans la peau du méchant, je vais faire mon crime parfait, et maintenant je me mets en gros dans la peau de Columbo en disant quels vont être les indices que je vais disséminer qui permettront à d'être mis sur la piste. C'est beaucoup plus efficace que ça. Bon, en tout cas, t'as eu Columbo comme inspiration, qu'est-ce que t'as eu d'autre comme inspiration? Ah, voilà. Est-ce que vous avez reconnu ce générique parfaitement mémé? Non, c'est surtout le... Attends, c'était quoi le truc qui... dans la guerre contre le crime... Les meilleurs inspecteurs, traquent les pires criminels. Le pire prédateur, ah oui, c'est ça. Voici leur histoire. Et après, Law and Order. Alors, ouais, c'est en français, c'est pas. C'est alors, en anglais, c'est Law and Order, oui. Et en français, c'est New York. New York, unité. Non, c'est New York, c'est sous criminel. Ouais, je crois que c'est parce qu'il y en a plusieurs des Law and Order. Avec, je précise, New York Police Criminelle, nous dit Kelly. Je crois que c'est section criminelle. Je sais plus. Ou unité spéciale, je sais plus. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et c'est un particulier. C'est pas tous que je vois. C'est avec Vincent D'Onofrio. Ouais, Vincent D'Onofrio. Et. On a tous vu. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal des. Ouais, le chien. Bah oui, ça c'est. En plus, c'est inutile parce que le chien. Alors, petite parenthèse sur le chien de Columbo, c'est que c'est le chien le plus vieux du monde. Parce qu'en gros, son chien ne meurt jamais et il est là sur l'intégralité des épisodes. Enfin, l'intégralité. Sur énormément d'épisodes. Puis s'il s'est réveillé. Et le chien, je crois qu'il a plus de 25 ans, enfin bon bref. Bon, revenons sur Law and Order. Oui. Ouais, c'est une super série. C'est trop bien. Alors par contre, que je trouve super intéressante au niveau... alors, pas forcément scénarisation, mais au niveau idée. Oui, moi ça m'a donné des idées. Hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, t'as pas eu... Attends, c'est moi ou c'est toi, Camon? Law and Order. Non, c'est toi. Oui, c'est moi. Oui, avec les crématoriums. Oui. Ça vient de... Voilà, je n'ai rien inventé. Non, j'ai pris la base, j'ai pris l'inspiration et ensuite j'ai fait ma mayonnaise. Ouais. Et donc, vous qui êtes fan et qui n'avez pas reconnu, joueuses et joueurs de Wizin. Voilà, non, ça vient de là. L'histoire du crématorium qui crémate pas, en fait. Et il y avait une autre idée, mais elle n'est pas passée. Ils ne l'ont pas fait dans Wizin. Bon, je peux en parler parce que je leur ai dit l'histoire d'un saint. Ah oui, l'épisode était vraiment bien. Tu étais bien aussi. Ah, hein. Était vraiment bien l'épisode. Mais voilà, donc ouais, ça sert d'inspi pour trouver des idées. Et j'avoue que.
Bah surtout, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je vous conseille dans la série, c'est le personnage principal, qui est super intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que derrière, tu as un personnage principal masculin, qui est super intéressant au niveau de sa construction. Et on en apprend, mais vraiment au compte-goutte, sur leur vie perso. À leur base, en fait, on voit que leur vie professionnelle, on sait rien des personnages. Et c'est juste à certains moments, par exemple, le personnage principal t'apprend comme ça que sa mère est schizophrène. Par au détour d'une conversation, voilà, il connaît le Oui, truc parce que sa mère est schizophrène. ou des affaires parce que qu'il touche, parce que justement sa mère faisait ça ou je ne sais Ouais, quoi. voilà. Mais t'as un côté un peu plus qui personnalise un petit peu plus par rapport à Columbo, que Columbo Oui. parle de sa femme ou quoi. Mais ça s'arrête là en Bah, et fait. puis surtout, il y a un côté rigolo dans Columbo. Enfin, tu regardes le truc, C'est tu toujours te prêtes avec un à truc sourire. rigolo que dans La Loi et l'Ordre. Ouais, t'as C'est côté. super sérieux. C'est super sérieux, t'as ce côté un peu plus dramatique et des fois tu comprends des choses, c'est pas forcément expliqué, mais tu fais la déduction toi-même. Ouais. La vie des personnages. Ouais, puis c'est surtout notre façon de faire des enquêtes. C'est ça qui est intéressant parce qu'on va parler d'une autre série qu'en ce moment je te fais découvrir Oui, après, je découvre plein de trucs. qui permet aussi de réfléchir à une façon différente d'imaginer tes C'est scénarios. surtout que je suis à la ramasse, question série, je dirais policière et Waouh! compagnie. Ouais, alors après, moi, c'est pas forcément un genre que j'affectionne parce que, on va dire que les séries classiques policières, genre Starsky et Hutch, Kojak, Derrick, ça m'intéresse pas parce que je trouve ça extrêmement classique. C'est des séries qui vont dénoter par le caractère de leurs personnages. Et moi, le caractère des personnages, je m'en fous un peu, quoi. C'est toujours le héros, le flic qui passe 12 heures par jour à son boulot parce que non, il y a un meurtrier dans les rues, il faut que je le trouve, le salaud. Non, mais mec, t'as une vie perso, aussi, il y a des moments où tu te dis putain, vivement, vivement 17h30 que je débauche et que je me fasse une partie de World of Warcraft, quoi. Enfin, non, ça, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais par contre, derrière, ce qui est intéressant, bah, c'est la façon, la méthodologie, quelquefois, les personnages pour découvrir le meurtrier. Et ce qui est intéressant dans Law and Order, c'est que, bah, en fait, c'est un personnage qui va utiliser énormément de psychologie. Oui, oh, puis pénible aussi, il est toujours en train de trop tripoter chez les gens pour les agacer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais posez ça, Mais il merde est très psychologue, en fait. Il est très psychologue, il a une énorme culture alors! Et en générale. faisant ça, c'est permis. En fait, c'est un indice. Oui, vous étiez parti au Brésil, donc ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que tu fais. T'as déroulé tout ça juste en fouillant, en regardant une statuette à côté de laquelle il y avait une carte postale que tu n'avais pas forcément fait gaffe, qui allait à l'encontre de ce que disait la personne présumée! Non, il y a des moments où ça parle long, j'ai pas. Mais il y a des bonnes idées, je trouve qu'il y a des bonnes affaires en fait. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes C'est pas affaires. compl c'est pas forcément du classique en fait. Ça fait du bien. Il y a une évolution de personnage qui est intéressante parce qu'au dé au départ, moi, la première fois que j'ai vu le scénario, je me suis dit, mais putain, il y a un personnage féminin, donc sa Ex, ouais. coéquipière, Alex. Bah, tu te dis, putain, mais elle sert à rien. Elle sert à rien parce que, en gros, c'est tout le temps lui qui amène les bonnes idées. Elle se permet juste de passer une punchline à un moment, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont un lien. Beaucoup plus profond que Qui est ça. très fort, qui a pas de relation, c'est ça que j'ai trouvé cool, C'est trop bien. pas de relation amoureuse entre les deux, Parce que c'est possible une voilà, amitié homme-femme. Sachez-le. c'est des collègues, ils se respectent énormément, ils se couvrent Bah, ils mutuellement, sont même amis, hein, ils on peut dire sont, que. non, ils sont pas amis, ils sont pas amis parce qu'ils font pas de sortie en dehors du boulot, c'est par contre, c'est mon collègue, c'est mon coéquipier, voilà, je le défends, je le couvre, mais il ne se voit pas à l'extérieur. À un moment, tu as des épisodes où il y a l'un d'eux qui est suspendu, il ne se voit pas. Ouais, mais en fait, quand je dis ami, c'est que ça va plus loin que juste le fait de partager le même boulot avec quelqu'un. Parce qu'il se couvre, il se préoccupe de comment l'autre se porte, de elle est au courant pour sa mère. Ouais. Enfin, Ouais, elle est au courant, mais voilà, voilà. il y a Mais elle s'immisce pas dans sa vie non? privée pour autant. Enfin, bon, de toute façon, c'est une série qui est axée vraiment sur le côté Oui, bien professionnel. sûr. Avec une pointe de perso, et je trouve ça cool parce que généralement, à chaque fois qu'on va dans le perso, dans les séries policières, c'est tout le temps, ah ben, vu que je suis flic, c'est très compliqué dans ma vie personnelle avec ma femme et mes gosses, je suis généralement divorcé, C'est pratique. où je touche un petit peu à la bibine, et puis je suis fort de caractère. Ouais, enfin, c'est tout ça, tout le temps un peu la même chose, quoi. Non, mais je comprends, ouais. Toujours un peu la même chose. Mais je trouve que, enfin, moi en tout cas, ça m'a pas mal inspiré pour du Ouais, Lovin. ouais. Alors, je vois, il y a Kali qui dit qu'elle, en ce moment, c'est sur Elementary.
Ah oui, c'est adaptation de Sherlock, c'est ça? Adaptation de Sherlock Holmes avec Lucy Liu Ouais. qui joue Watson. Je sais plus le nom de Bah, l'acteur. au-delà de la bonne idée d'avoir des personnages féminins dans la série, je trouve ça une bonne idée d'inscrire Ouais. Watson une femme. Ah oui, non. Il y a une autre bonne idée, je spoilerai pas parce que je sais pas où t'en es, Cali, mais tout ce qui est lié à Moriarty, etc., que j'ai trouvé cool. En plus, Ouais. t'adorais l'actrice, je pense que c'est des actrices préférées qui Irène Adler. Préférée, je sais pas, mais j'aime beaucoup cette actrice, Ouais. ouais. Tout en début de la Dégage saison quelque 5, chose. oui, bon, bah voilà, Oui, tu l'as vu. Tu tout ce l'as qui est lié vu. à Moriarty, donc tu sais, Kelly. L'actrice, c'est Nathalie Dormer. Nathalie Dormer, ouais. Oh, ouais. Elle est bien, je Qui est l'aime bien. chouquette. Oh, Qui est chouquette. elle est bien. Mais pour autant, ben, c'est con à dire, mais moi, je trouve que ça souffre de la comparaison avec Sherlock. Et Bah pourtant, oui, je bah suis oui. pas du tout série anglaise, mais je trouve que Sherlock passe tout. C'est très compliqué derrière de faire une série sur D'arriver Sherlock Holmes, derrière, ouais. d'arriver derrière quand derrière t'as Sherlock. Très compliqué. Surtout quand bah, derrière on te fait vraiment des épisodes travaillés d'1 heure et demie de Sherlock. Et à côté on te fait une série de 20 épisodes par saison, Elementary, où bah, en fait, faut dire ce qui est, c'est très compliqué de faire un scénario d'enquête, d'avoir une bonne idée. Et ben on te fait en 50 minutes un truc bah, somme toute qui est basique, qui est pas super compliqué. Et donc bah, moi j'ai pas accroché à Elementary. Je vois que j'ai regardé juste les bonnes idées, mais j'ai. Ah Sherlock, j'ai bah je peux adoré. même te dire que moi à part tout ce qui est lié à Moriarty, je ne pourrais pas te réciter un épisode de Sherlock parce qu'il n'y a rien qui... de Elementary, pardon, parce qu'il n'y a rien qui m'a marqué. Alors que les épisodes de Sherlock, mais m'a marqué. M'a marqué parce que bah, c'est super bien fait, bien réalisé, c'est super bien joué, enfin, et que y a des qualités dans Sherlock. Et pourtant, je suis pas série anglaise, hein, j'ai été série. Salut, Soska! Salut Soska! Oui, t'es en retard, hein? Qu'est-ce que tu foutais là? Oh! Et donc, bah, la série là, en ce moment que je te montre, que tu connaissais pas, Je connaissais que de nom. que tu Je le connaissais de précise parce que nom, sinon ouais. on va se dire oh là là, il connaît Ouais, vraiment voilà, rien, t'as il est connu que de nul. nom. Alors, c'est pas une série que je considère comme excellente. En fait, faut vraiment y prendre ce qu'il y a d'intéressant. C'est pas une série où je vous dis, ah, regarde là, c'est génial de A à Z, etc. Non, mais pour ce qu'on en fait, regarder en mangeant, c'est très bien, Mais voilà, je alors, trouve. on regarde en mangeant, voilà. Et puis aussi, vu qu'en ce moment, on est dans une période de scénario d'enquête, moi, je suis en train de réfléchir à... J'aime bien regarder des trucs qui vont me donner des idées, Voilà, qui vont quoi. donner des idées. Moi, je suis en train de réfléchir aussi aux héritiers, etc. Du coup, je t'ai fait découvrir Mentaliste. Ouais. Et non, je n'avais jamais regardé parce que moi, j'ai le syndrome. Plus une série est connue, plus on m'en parle, moins j'ai envie de Bah, la j'ai le même regarder. souci, ouais. Voilà. J'ai le Donc même je vais pas la souci. regarder. Game of Thrones, par exemple, j'ai tout regardé, hein, mais j'ai regardé quand la hype est redescendue, qu'on n'en parlait pas. Mentaliste, c'est redescendu parce que je crois. Ah bah c'est fini depuis belle lurette, ouais. Mais c'est vrai que c'est toi qui montres. Spontanément, toute seule, j'aurais pas regardé, je pense. Non mais je peux comprendre, et puis moi je peux comprendre que les gens ils accrochent pas à Mentaliste, parce que derrière, c'est super simple, Mentaliste. Quand tu regardes les trames de fond, hein, le mec il arrive en 2-2, Oui, il a découvert comme ça alors que les autres planchent depuis des semaines, voire voilà des quoi. années. Putain. Voilà. C'est ça que je trouve très intéressant, parce que Mentaliste décrit quelque chose qui est courant dans le monde du coaching, parce que Ouais, Mentaliste, sauf c'est un qu'a peu dit, c'est plus ça. comique que policier. Oui, bah c'est comme... Enfin, Columbo, enfin, je suis désolé, c'est comique, quoi. Bah, alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce cas comique parce qu'effectivement, tu ris beaucoup. Enfin, c'est. Quand tu ris, Tu tu ris. souris. Oui, non mais je veux pas dire tu te tapes le cul par terre, Oh mais ce que ouais. je veux dire c'est que effectivement tu passes plus de temps à noter les conneries que fait Patrick Jane qu'à te dire Bah, sauf l'épisode, je voulais vraiment te montrer un épisode parce que je le celui avec trouvais la maison là? celui avec le type qui a un problème mental. Oh putain! Le premier épisode que je t'ai montré de Mentaliste en disant faut absolument que tu vois cet épisode-là, ça va te donner des idées. Oh oui, bah voilà. En fait, Bah, avec Moby Dick.
Ouais, mais tu vois, ça me Non? reste pas en tête, ça m'inspire moins. J'aime bien regarder en mangeant, tu vois. Ouais. Mais ça a moins d'impact sur moi que Law and Bah, Order. ouais, parce que en gros, Law and Order, ça va te trouver un mode opératoire, Mais je trouve que les cas sont plus intéressants des aussi, tu relations, vois. pas parce que c'est beaucoup plus réaliste en fait. Là, on va avoir des motivations beaucoup plus réalistes, et puis surtout, enfin, il y a un méchant, le Némésis de Goren dans Law and Order, la Némésis. Enfin, t'as hâte de la revoir. C'est une Qu'est-ce Moriarty, qu'elle va nous inventer? Qu'est-ce la qu'elle va nous faire? nana. Elle est super forte, c'est une Et t'arrives pas à Moriarty. savoir si elle est démoniaque, si elle a une part de bien ou pas, si elle en Ouais. joue, si. Ouais. C'est un très bon vilain d'ailleurs, c'est un excellent En vilain. fait, ouais, mentaliste, Et c'est ça a quelque mentaliste. chose de plat en fait dessus. Et le vilain, ils te font un crescendo du vilain, hein, John le Rouge, Red John, ils te montrent le truc, et toi, tu étais de saison en saison en disant, oh, John le Rouge avec un truc énorme, ça va être un truc énorme, ça va être un truc énorme, et quand arrive la saison finale, De souffrir où tu tout. sais qui est John, enfin, ils te montrent qui est John le Rouge et comment ça se passe, c'est nul. C'est nul. Mentaliste, ils ont fait une superbe montée en termes de on appelle ça, c'est un terme, où ils te font monter ils te font monter la chose. Et jusqu'au moment du dénouement, et en fait, le dénouement, ils l'ont raté, en fait. Et je trouve que c'est des séries intéressantes dans comment c'est construit, comment ils t'amènent à un truc, ce qu'il faut faire, en fait, pour vraiment amener le crescendo. Enfin, le pitch, il est super bien, parce que c'est, voilà, un mec qui a des capacités, c'est un sale con. Patrick Jane est un sale con, Oui, hein, c'est un faut dire connard. ce qu'il est, c'est un connard. C'est un mec, il a arnaqué les gens, il se faisait passer pour un médium, alors qu'en fait, il est juste très La doué d'un façon point de dont vue il se observation, comporte aussi avec psychologie, ses etc. collègues. Ouais, voilà, pour lui, tout est manipulable, en fait. C'est un sale con. Et puis derrière, bah, sa femme, enfin, il insulte à la télé un tueur en série, et sa femme et sa fille se font tuer par le tueur en série. À cause de lui, À donc. cause de lui. Voilà. Ambiance. Et donc, bah, il cherche à se venger, à le retrouver. Alors, par contre, le truc que je trouve vraiment trop cool dans la série, c'est qu'il le dit ouvertement et en travaillant Je le pour les tue. flics, en disant, non, mais attendez, si je le trouve, on l'arrête pas, je le tue. Voilà, ça, c'est même pas en discuter, je le trouve, je le tue. Et ça, c'est un pitch qui Qui fonctionne fonce. bien. Ça Oui. tient en une phrase, Mais tu vois, c'est j'ai pas catchy. tout regardé, je pense que je regarderai pas tout. Ah non, parce que c'est pas Justement, intéressant. ouais, non, mais c'est trop. Tu seras déçu Ouais, de ce non, qu'a mais je géré trouve l'autre. qu'il n'y a pas assez de profondeur et au bout d'un moment, je trouverais peut-être ça répétitif. Mais tu vois, quand tu m'as dit qu'il y avait 7 saisons, je crois. Oh, il y a cette saison. Enfin, comme ça, je trouve trop long, en fait. Ah, mais c'est trop long. De moitié C'est trop moins, long. ça aurait été peut-être. C'est trop long. C'est trop long. Quand tu vois des séries comme ça où c'est trop long, ils auraient pu le finir. Comme ils ont. Tu sais, c'est le syndrome Supernatural, en Ah fait. putain, au bout de la 14e saison, tu fais Supernatural. ça se finit quand? Supernatural, il te faut une super fin à la fin de la saison 5. Franchement, la série était bouclée et en fait, il te continue. Alors après, il y a des super épisodes, hein, quand même, dans le lot. Bah, ils Mais. arrivent parfois à te faire des bonnes fins de saison, tu dis. On va peut-être s'arrêter. Eh ben non, on s'arrête pas. Voilà. Bah après, bon, maintenant, ils l'ont vraiment, Putain. vraiment, Oui, là, vraiment c'est bon, c'est fini. fini, il y a un moment. Mais je trouve que la fin, elle est moins bonne que la Bah, fin de la d'ailleurs, j'ai saison fini 5. par décrocher. Ah bah, moi J'aime aussi, j'ai beaucoup décroché. Supernatural, mais j'ai fini par décrocher parce que. Ouais, c'est ça ce qu'est la série. Alors, elle se termine par sa vengeance, mais sa vengeance, elle est toute pourrie. Elle est toute pourrie. Franchement, il y a des épisodes où tu sais, il rencontre John le Rouge sans le voir, il y a des sortes de rencontres, et en fait, tu dis, waouh, qu'est-ce que ça va donner derrière? Et puis même, il y a un côté, au bout d'un moment, il y a un côté élimination. Elle se dit, ok, j'ai une liste de suspects, John le Rouge est l'un d'eux. Et c'est pourri, en fait, comment il fait son élimination. Ça pourrait donner une sorte d'Agatha Christie. Ça donne pas Agatha Christie, ça donne un Kojak tout pourri, quoi. Alors, je suis désolé, j'ai pas vu Kojak, hein, mais pour moi, c'est pas une série télé qui m'a. C'est un Derrick, quoi. C'est pas franchement passionnant. Et puis, alors, la fin avec le dernier épisode où Jane se met à chialer devant Teresa en lui disant je t'aime, Je peux plus ne passer pars de pas. toi. Enfin, je regarde Mentaliste, je regarde une série policière ou je regarde Coup de foudre à Notting Hill, quoi. C'est. Au secours, quoi. Au secours. Donc, non, voilà, c'est bon à prendre quelques idées, Pour Mentaliste. l'instant, quelques idées. Et encore, ça m'inspire vraiment beaucoup moins que. Ah, que Law & Order, ouais, c'est normal. Mais moi, en fait, ce que je prends, moi, dans Mentaliste, c'est plus les côtés retournement, psychologie, d'éventuels personnages, en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
C'est pour tout le côté construction psychologique que je vais peut-être donner au personnage. Tu vas avoir des motivations de base, ouais. Ça peut te donner des idées de motivation de base. Parce que, il faut dire ce qui est, hein, quelquefois tu vois des séries où nous-mêmes on construit des scénarios où on se dit, mais putain, là, c'est quoi la motivation de mon vilain? Au bout d'un moment, c'est il est méchant pour être méchant. Mmh. C'est con. Là, tu vas avoir des motivations, bah, ça peut être l'amour, la vengeance, la cupidité, le machin. Enfin, ça te ramène à des, oui, à des essentiels. Dire, oui. Et quelquefois, créer des scénarios sur. Oui, puisque c'est ça le sujet à la base. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Créer des scénarios d'enquête. Moi, ce qui m'horripile... Salut, Edwin. Salut. Moi, ce qui m'énerve dans énormément de scénarios que je peux voir dans des parties de jeux de rôle, hein, et ça a pu m'arriver à un moment aussi, hein, forcément par déviation, c'est le méchant du scénario. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il est comme il ça, est méchant. Il est né méchant. Ouais, il est né, il avait le sourcil français, il était méchant. Non, mais voilà, il y a avoir d'autres motivations. Alors après, ce qui fait un bon méchant, ça peut être le sujet... Enfin, ça sera le sujet de toute façon de très certainement la prochaine vidéo que je vais faire sur comment créer un bon méchant. Et à vous trouver... Alors, Soska, toi, tu sais normalement quelle série je vais utiliser, justement pour dire de quelle série on peut s'inspirer pour faire un bon méchant. Mais voilà, je vous laisse à vos spéculations sur quelle série je vais utiliser. Ah, si, je crois savoir. Ouais. Ouais, je pense que c'est un sans spoiler, hein. Sans spoiler, ouais, c'est, je pense, un des méchants les mieux écrits, en tout cas de séries récentes que j'ai vues. Tu m'en avais parlé plusieurs fois. Voilà. Qu'est-ce qu'un méchant ? Non. Ouais, qu'est-ce qu'un méchant ? Alors après, sur tout ce qui est lié à qu'est-ce qu'un méchant, qu'est-ce qui fait un méchant, de toute façon, je vais en reparler, mais regardez la vidéo de Bolshegeek sur l'effet Magneto. Et il parle très très bien de ce qui... Bah, c'est vrai que ce qui fait un méchant intéressant, c'est quand il n'est pas que méchant. Bah, en fait, à la base. Dans le sens où il a des réflexions, tu. En fait, bah, il a pas tort, en fait. C'est juste sa méthode. Il s'y prend mal. Mais sa méthode, il a dégueulasse. Pas tort, quoi. Tu regardes Thanos, par exemple. Bah, à la base, il veut changer. Ouais, bah, c'est ça, il veut changer le monde. Il veut changer le monde parce qu'il voit une profonde injustice et il veut le corriger à sa manière. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la série. Alors, sans spoiler, mais ce que fait la série. Récente, le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Mm. Le pitch, alors ce qui est con, c'est qu'il faut avoir vu tout Marvel pour comprendre de quoi il retourne. Oui. Mais la série, je trouve qu'elle est superbement bien faite dans le côté. Et d'ailleurs, là, c'est ce que conclut la série. Hein, il fait une bonne conclusion d'ailleurs. Il conclut là-dessus en disant, non mais attendez, faut arrêter de voir le monde en noir et blanc. C'est pas des vilains, c'est pas des méchants. Là, on est tous dans la même merde. Maintenant, faut tous qu'on s'en sorte ensemble. C'est déconstruire le méchant, au final on arrive à en retirer tout, c'est boum, on a plus de méchant, on a un progressisme extrême. Bah, ça dépend quel méchant tu prends. Hein. Après lui, il est parti sur le Magneto. J'aurais pas pris Magneto en exemple, j'aurais pris vraiment Thanos en exemple, parce que je trouve qu'il est très très parlant. Thanos, je trouve que c'est Thanos, un bon exemple, parce que c'est un personnage qui a... j'en ai pas ressenti la même chose que toi, Soska, en fait, ouais. Sur la vidéo de Bolshegeek. Moi, ce que j'en retire de Bolshegeek, c'est que un méchant, c'est juste un gentil qui veut changer le monde. C'est juste qu'il a pas la bonne méthode. Et c'est pas qu'il a. En fait, c'est juste que c'est la seule méthode qu'ils connaissent. Parce que la méthode des gentils, et ça, je trouve que le film Avenger parle bien de ça. C'est Thanos. Bah, parlons avec Thanos. Thanos. Il dit, ok, j'ai vu mon monde mourir, parce qu'on n'avait plus assez de ressources, on était trop, il y avait une surpopulation. Donc j'en suis venu à la conclusion que le monde va, enfin que l'univers va dépérir si, justement, on ne fait rien. La solution que j'ai trouvée, eh ben, c'est de tuer la moitié de l'univers pour que l'univers puisse survivre. Les Avengers, non, on va t'arrêter, t'es cinglé, c'est complètement fou ce que tu fais. Et moi, j'aurais été Thanos, j'aurais fait... D'accord, tu proposes quoi? Parce qu'à aucun moment, il y a un quelconque Avenger, il n'y a aucun Tony Stark qui se lève ou Bruce Banner qui arrive en disant « Écoutez, j'ai peut-être une autre solution pour justement qu'on s'en sorte tous. » J'ai réfléchi, effectivement, il n'a pas tort dans le sens où on court à notre perte, mais on pourrait plutôt faire comme ça. On dit non, c'est un cinglé. C'est un cinglé, point barre. À aucun moment, on se dit « Bon, c'est vrai qu'on va droit dans le mur. Par contre, la méthode n'est pas bonne. » Et donc, je trouve que ça, c'est bon. Et
là où ils ont réussi Marvel Studios à avoir la bonne continuité, c'est que de dire, bah ok, on a arrêté Thanos, maintenant les gens sont revenus, bah ça crée des problèmes. Parce que du coup, bah, pendant 5 ans, il n'y avait personne, et ben bah, on est allé chercher de la main-d'œuvre, alors ça ramène à d'autres épisodes historiques, notamment en Europe, hein, post-Seconde Guerre mondiale, où on allait chercher de la main-d'œuvre parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre en disant vous êtes bienvenus, voilà, venez nous aider, venez nous aider. Maintenant que les gens réapparaissent, ah! Bah maintenant, vous êtes plus chez vous, en fait, dégagez. C'est ça. Et ça soulève bah, des super bonnes questions. Ça apporte pas de solution. Et ça a le mérite de dire non, mais attendez, il y a toujours ce problème-là, en fait. Il n'est pas résolu. Les gentils ont gagné, mais non, il y a toujours la merde derrière. Et ça, c'est bien foutu. Ça évite les sempiternels happy end à la con. Oui, parce que t'as pas de happy end en soi, ils ont perdu vachement de monde, le problème est pas résolu. Ils ont juste, bah, ils ont Bah, ils ont ramené tout le juste monde. tué Thanos et ramené tout le monde. Mais du coup, Ah, ça y a d'autres problèmes derrière. c'est, je veux dire, c'est limite, c'est le début en fait, hein. C'est le début d'un autre problème. Alors moi j'espère justement qu'ils vont continuer éventuellement sur cette lancée-là. Alors après, sans non plus, parce qu'au bout d'un moment ça reste Non, de mais le tourner en format est rond. pas mal en Mais attendant. voilà, j'ai trouvé que la série. Je m'attendais à une série d'action en me disant bah, je vais voir une série d'action cool. Et en fait, il n'y a pas tant d'action que ça. Un petit peu, mais pas Il y en a tant. un petit peu, mais il n'y en a Il pas y a tant des que moments ça. cool, mais il y a des côtés, c'est vrai que ça fait un peu jeu de rôle dans le sens où. Ça fait jeu de rôle dans le sens où on est dans une campagne avancée, puis tout d'un coup on voit d'anciens personnages qui étaient marquants d'anciennes campagnes, d'anciens scénarios, qui reviennent ponctuellement et qui repartent, mais en même temps on avance sur d'autres parties de l'univers. Moi, j'ai pas vu comme ça. Si je devais vraiment comparer un jeu de rôle, je le verrais plutôt comme le MJ qui fait à deux joueurs. Et si vous voulez, je vous fais un petit scénario en duo. Vous avez l'air de. Il y a une bonne entente, il y a une bonne alchimie entre vos deux personnages. Ça vous dit, on fait un duo. Et donc, ils ont pexé chacun de leur côté. Il y en a un, il s'est débarrassé de son désavantage mental qui fait qu'il était torturé. Et l'autre, il a gagné l'upgrade. Ah bah, je vais pas spoiler. Et voilà, il a gagné un upgrade, J'ai quoi. gagné un artefact, Il a un voilà. artefact unique qui l'a rendu plus puissant. Il a gagné de l'XP, quoi. Et franchement, moi j'aime bien des Et fois en se même temps, tu peux comparer. dire, ah bah ça se passe bien, bah tiens, on va greffer un troisième joueur ponctuel en reprenant un personnage qui a été impactant, tu vois, dans un autre scénario, en disant, bah il existe déjà, c'est un prêt tiré, mais tu peux l'approfondir un peu plus, tu vois. Ou alors ce personnage est un vilain. Et en même temps, est-ce qu'il est si vilain, tu vois? J'ai mon cousin que je vois une fois tous les ans qui passe, je lui file le prétiré, il joue le vilain avec vous faites le scénario avec lui, et puis voilà quoi. Parce que bah, du coup, bah, c'était Zemo, il y a le retour de C'est bon. Zemo, et Il est cool, il est franchement, cool. il est super cool. Moi, j'avoue que j'avais oublié Zemo, j'ai vu le Ouais, film, j'ai oublié ah, mais Zemo, il était oublié et dans le rien, tu film, fais, mais par bah, un super bon acteur. il est super bon acteur, et il est intéressant, en fait. Il est intéressant. Et surtout, c'est un mec qui est sans compromis. C'est vraiment le mec. Il a fait sa vengeance pour faire éclater le truc. Il a une idée qu'on peut comprendre. Là aussi, c'est super intéressant sa façon de voir. C'est un Thanos, Zemo. Parce qu'il dit, voilà, le problème, Et il le c'est les dit, super je soldats. t'ai utilisé pour faire ça. Ouais. Je le regrette pas, hein. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait, Ouais. parce que j'ai conscience que pour toi, Mais je dois voilà, le je t'ai faire. blessé, mais il fallait que je le Il faut que fasse. je le fasse. Et je le referais, Je oui. le referai, ouais, je suis Si désolé pour la j'avais souffrance la que possibilité de le refaire, Il je le n'est pas referais. méchant, Zemo. Enfin, quand on le regarde, il n'est pas méchant. C'est juste qu'il y a une douleur. Et là, il a un traumatisme qui est là. Il fait, je sais que les super soldats, ça crée plus de problèmes. Et que Steve Rogers, c'est une exception. Oui. C'est une exception. Il le dit à un moment, il fait, ouais, c'est une exception. Ça veut pas dire que Ça ne veut pas dire que ça. ça sera la règle. Et que par précaution, eh ben, on doit empêcher qu'il y ait d'autres super soldats. Et il va jusqu'au bout de son idée, quoi. Oh Ça veut ouais! dire. Ouais. Non, c'est un bon vilain. C'est un bon vilain. C'est Vraiment un bien bon vilain foutu. et en même temps, quand tu regardes en tant que personnage, ça permet aussi, peut-être dans ta création de personnage, de PNJ ou même de mec, d'approfondir ou de donner des nuances en fait à un personnage. Ouais. Parce que souvent, ton personnage va être ouais, soit tout blanc, soit tout noir. C'est important de le construire derrière, finalement. Enfin, à mon sens, après, lui donner au moins un peu de profondeur. Alors, toi, tu l'as vu, Legend of Korra?
Moi, je ne l'ai pas regardé. Et ben moi, j'ai pas tout vu. J'ai pas accroché, en fait. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout. J'ai regardé les premiers épisodes de Korra et j'ai pas accroché. Mais on m'en a dit que du bien. Ouais, pareil. Donc, je pense qu'il faudrait que je refasse l'effort de regarder. Mais c'est vrai que j'ai regardé, genre... ça m'a gonflé, j'ai décroché. Ouais. Je pense que j'ai tout de suite trop comparé à... Avatar, en fait, au précédent opus que j'avais adoré, que je trouve super. Bah, Avatar, c'est pareil, d'un point de vue construction, c'est excellent. Il y a quand même des personnages, même des histoires, des trucs vachement bien, quoi. C'est excellent. Que des personnages excellents, avec des nuances, même si... Bon, j'aurais dû... Allez, si je devais vraiment faire une critique sur Avatar, c'est que le méchant de la série, bah, il est somme toute assez caricatural. Ouais, c'est là que tu reconnais le truc entre guillemets enfant, je trouve. Ouais. Et alors qu'il y a quand alors même qu'il y a des sujets quand adultes, même la magie comme... du sang là. Ouais. Quand Katara elle apprend à maîtriser le sang avec une et qu'après se défend. C'est plus enfin bref. Ouais. Tu dis oh, elle est complètement cinglée, mais en même temps elle a appris par la force des choses à manipuler le sang. C'est vrai que c'est terrible, mais ouais. Est-ce que c'est pas les circonstances qui ont fait ça, tu vois, enfin... Et elle-même, pour l'arrêter, Katara utilise son sang, en fait. Donc, ça te pose question, et puis je me dis, pour des enfants... Sachant que tu peux faire mourir quelqu'un comme ça, on te le dit dans l'épisode... Ça fait des séries, ou en tout cas des œuvres, que je trouve à double sens de lecture... que je pourrais aussi bien conseiller un gamin parce qu'il va passer un bon moment, il va voir vraiment un dessin animé de qualité. Et puis en tant qu'adulte, tu vois aussi quelque chose de qualité qui toi-même te fait réfléchir. Enfin, il y a des thématiques qui sont super intéressantes. Je sais plus quelle autre œuvre j'avais dit, ça c'est un truc à montrer à des gamins comme à un adulte. Je pense à Avatar. Dans Avatar, t'as le méchant, il vient genre. Oui, bah c'est ça, je trouve que l'évolution de Zuko, elle est géniale, elle est super vraiment bien faite. Zuko, c'est un des meilleurs personnages de... Il est formidable aussi. Ouais. Il dit que c'est qu'un petit peu roi du thé, il est beaucoup plus. Ça, il y a le roi de la terre aussi. Après, mon personnage préféré, ça reste. Moi, c'est Toph. C'est Toph. Toph, elle est parfaite. Elle est Toph. Oui, Hiro, ouais, c'est ça, j'avais pu son. Ouais, Hiro aussi est chouette. Ouais. Il est très émouvant aussi, Hiro. T'as des épisodes très émouvants. Mais Toph, c'est la meilleure. J'adore. Ah ouais. Franchement, elle est géniale. Ah, c'est un personnage pareil. Ils ont réussi à faire un personnage féminin fort, qui a en plus un handicap. Ouais. Mais ça reste la plus balèze d'entre eux. Quel handicap? Je suis méga balèze et je vous prends tous. Et d'ailleurs. Et puis je suis pas handicapée. Je vois, pas comme vous, mais je vois. Et je sais, alors j'ai juste vu des extraits, j'ai pas vu l'épisode, mais même l'avatar, enfin Korra. Fou de branler, elle est vieille, elle a 80 balais, à fou de branler à l'avatar quoi. Puis tu sais que, bah du coup, dans Korra, de mémoire, elle a eu une fille, elle a pas eu. Elle a été une mère horrible et, parce qu'elle est très. sur son truc. Et en même temps, tu vois, ça reste quelque part fidèle au personnage. Parce que... Et maman en grandissant. Ouais. Katara, oui. Mais pas Toph. Ouais. Pas Toph. Deux filles, ouais. Enfin, bon, et elles s'aiment pas. Bah, voilà. On dérive quand même vachement, encore une fois, sur les vilains, alors que c'est pas le sujet. ça sera vraiment le sujet d'autre chose. Mais on était vraiment sur les scénarios d'enquête. Donc, en fait, je reviens toujours à la première question. Auquel tu n'as pas répondu. Tu t'es basé sur quoi pour écrire ton premier scénario d'enquête, en fait? Ça t'est venu comment, l'idée? Je prends des inspirations un peu de tout, en fait. C'est comme un Rubik's Cube, t'essaies de voir si t'as des idées, comment tu peux les mettre en place, si ça s'emboîte, si ça marche ou pas. Ouais. Et quand tu prends du recul et que tu dis, allez, par exemple, si je fais un résumé de mon synopsis, est-ce que ça tient debout ou pas? Ouais. Et si ça tient à peu près debout, donc juste le squelette, hein, t'as mis trois bâtons qui tiennent, tu fais, et on y voit quelque chose, je vais essayer de construire un peu plus. Après, je reste beaucoup dans la pro. Impro énormément. Alors, toi, t'écris beaucoup. Enfin, je sais que toi, alors, tu écris tes scénarios. Pas tant que ça. Moi, j'écris juste les grandes lignes directrices. Je vais faire des tirées. Voilà, ça va être les jalons, entre guillemets, importants. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais une chronologie ou tu fais comment, en fait, toi? Non, je fais même pas de chronologie. En fait, je fais... fouiller mon bordel.
Au début, ça va être genre... Ça peut pas être pire que moi. En fait, je vais avoir mon contexte de départ. Ouais. Et dire, bon, voilà. J'ai mes joueurs, ils se connaissent, ils se connaissent pas. Bon. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils se rassemblent? Ouais. Donc, je vais mettre le truc de départ. Ok. Ensuite, je vais me dire, bon, alors, machin, lui, il est bidule, lui, il est chouette, en me disant, bon, peut-être que je peux les faire se rassembler comme ça. Hop, voilà, ils sont rassemblés. Et ensuite, je vais noter ma grande idée, voilà, la grosse enquête. Ouais. Un ou deux personnages possiblement importants, par exemple des PNJ ou je ne sais quoi, qu'ils vont rencontrer. En notant le nom et pour me dire à la photo, du coup, machin. S'il y a un ou deux jalons dans l'enquête, faut qu'ils aillent à tel endroit pour trouver tel indice ou je ne sais quoi. Mmh. Le reste... Ouais, tu fais confiance aux joueurs après. Ah bah c'est eux qui écrivent l'histoire, hein. Ouais. Parce que je rebondis sur ce que dit Kali, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour le squelette, les joueurs sont assez imaginatifs pour foutre le bordel. Alors, justement, quand tu connais tes joueurs, moi c'est des choses que je peux me permettre. Quand je connais mes joueurs, je sais que je vais juste poser un petit truc là, je vais juste vous raconter un épisode d'un scénario que je vous ai fait. Donc ça va parler à Lucille, puisque bah, c'était une joueuse. On jouait à du 7C. Et ils ont le scénario que je leur ai fait, c'est suite à un mariage, suite au mariage justement du personnage de Lucille qui ne s'est pas fait. Donc entre guillemets, en guise de paiement pour leur bon et loyaux service, on leur dit bon bah écoutez, vu que le mariage s'est pas fait, je rigole d'avance. Tout le vin qu'on a pas bu. Ben, faudra le ramener au vigneron pour qu'on se fasse rembourser. Donc, ben, écoutez, vu qu'il y en a pour du pognon, on aimerait que vous escortiez la calèche avec tous les tonneaux de vin. Voilà, donc Lucille, ça va te parler. Oui. Et donc, ils chargent la charrette et on leur dit, bon, ben, voilà, hein, vous allez transporter ça, il y en a pour deux jours de voyage. À dada, ça, c'est à dada. Vous non. Transportez. Non, c'est pas là où tu t'es jeté par la fenêtre. Non, après. C'est pas ça. Ça c'est autre chose parce que ça, tu nous as tous surpris quand tu t'es jeté par la fenêtre. Même moi, hein, j'ai fait quoi? Et donc voilà, ils font le voyage. Ramener les tonneaux. Voilà. Voilà, ils ont fait le tonneau. Puis moi, j'ai écrit, bon bah voilà, c'est une belle journée, il fait beau, il fait chaud. Lucille, t'es contente. Putain de vin. Voilà. Lucille, toi, t'es contente d'avoir échappé ton mariage parce que c'était un mariage forcé qu'elle ne voulait pas et en fait son mari était un con. Enfin, moi, elle était contente de s'en être sortie. On papotait, on faisait un peu plus connaissance sur un truc un peu calme, genre oh là là, c'est cool, on a une mission un peu calme, tout ça. Et puis après, elles se sont dit. Si on goûtait du vin. De toute façon, on a 6 tonneaux. Si on prend 4 verres, ils s'en rendront pas compte. Voilà. Bon, bah, ils commencent à se boire le vin, puis. Puis on était deux à faire. Il y a un goût. Il y a un drôle de goût quand même, tu trouves pas? Je vais regoûter pour voir, mais. Là, c'est là, là, lui. Bon, c'est le seul qui a une croix en plus. Bon, voilà. On ouvre. Ben, en fait, dedans, il y avait un cadavre desséché dans le tonneau. La réaction, en fait, de moi, ça a été. Alors qu'à la base. Bon, en fait, j'avais prévu une embûche en milieu de. Qui s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai prévu une embûche qui les amène à se dire merde, il y a un cadavre dans un tonneau. Spontanément, et. Alors, surtout qu'il y en avait un ou on une était... qui commençait à. Ah, oh, mais il est bon, Jaja. Après, on le retrouve dans les fouets. Super le jeu héroïque. On est tous en train de dégueuler dans les buissons. Voilà. Mais du coup, ça m'a permis, moi, d'amorcer très facilement parce que, bon, bah voilà, c'est un truc, je me permettais. J'avais, me suis mis une sécurité au cas où, en disant, bon, bah voilà, il va y avoir des bandits de grand chemin qui arriveront à un ils moment. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Les bandits, ils ont eu, ils ont fait. Non, mais laissez tomber. Ah oui, ils sont complètement cons, en fait. ils sont barrés. Mais voilà, ils ont lancé d'eux-mêmes le scénario que j'avais prévu. Et d'une manière... voilà, parce que je connais les joueurs. Mais effectivement, sur des joueurs que je ne connais pas, j'aurais eu un nouveau groupe, je leur ai fait « Ok, je leur demande de transporter le bidon. » Je n'aurai aucune assurance qu'ils vont boire le vin. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais créer une embûche qui vont les amener à faire ça. Parce que ça, c'est un truc... qui arrive spontanément à un moment ou à un autre dans la vie d'un MJ, c'est
Tu fais ta structure, t'as ton scénario, tu dis putain j'ai un bon synopsis, t'arrives devant tes joueurs, tu fais bon bah l'enquête, c'est là-bas. Et puis t'as toujours un joueur qui fait. Bon, non. J'ai pas envie. Bah pourquoi t'y vas pas? Bah parce que c'est mon perso, c'est pas son genre. Si c'est pas le genre de ton perso, pourquoi tu crées un perso dans ce jeu, en fait? Si tu veux pas faire le scénario, bougre d'abruti. Si t'en veux jouer, envie de jouer aux Sims, bah tu vas jouer aux Sims et tu joues en solo. Mais t'arrêtes de créer un personnage les Sims, qui va contre le courant du groupe, parce que ça c'est un truc qui m'agace chez beaucoup de joueurs, c'est « Oh non, moi mon perso, c'est pas son genre. Ah, » D'accord, c'est pas son genre, mais dans ce cas-là, si tu veux créer un caractère pour que ton personnage crée un relief, faut que tu crées une sorte de conflit avec les autres joueurs, mais un conflit qui va faire avancer l'histoire. Et pas un conflit qui va te bloquer l'histoire. Si tu fais un conflit qui bloque l'histoire, là tu joues pas en fait. Tu joues pas, t'as juste envie de faire ton chieur et tu vas frustrer les autres. Et puis alors le maître du jeu qui va sortir les rames pour essayer de rattacher, parce que derrière, hein, ça c'est facile de dire non bah franchement, en tant que maître du jeu, t'es pas top ton scénario. Et puis toi t'es là, mais bougre d'abruti, j'ai donné plein d'indices, j'ai essayé de te ramener plein de fois dans le scénario, et toi tout ce que t'as fait, c'est d'essayer de ramener à toi ou de partir dans ton délire alors que ben ça saoulait tout le monde quoi. Bon, ça m'arrive plus. Ça m'arrive plus, mais oui, c'est vrai que moi, nombre de fois, et notamment, ça arrive avec des jeunes joueurs. C'est quand tu as des jeunes joueurs. En termes d'âge ou en termes d'expérience de jeu? Alors, d'expérience d'âge et d'expérience de jeu. Alors, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai eu des surprises absolument flagrantes. Alors, déjà avec toi, la première fois que tu as joué du jeu de rôle. C'est pas moi, je pense à Marie, mais. Non, bah alors. Ça m'arrive, puis j'ai un autre pote en tête, où dès leur premier scénario de jeu de rôle, t'as l'impression qu'en fait c'était pas leur première fois. Bon, toi t'avais fait du théâtre, donc. Moi il m'a fallu un peu ton 7-6 a été, mais ouais. Par exemple INSMV, c'est pleurable, parce que j'ai voulu me lancer un défi qui était un peu trop grand. Ouais. Oui, voilà, c'était ça. Mais derrière, voilà, c'était. On s'est pas dit, bon, ça va être compliqué derrière pour faire des parties. Mais voilà, moi des fois quand j'ai fait découvrir des jeux de rôle à des gens, alors t'as les gens qui n'ont pas conscience de toute la liberté qu'ils ont et qui vont être en mode plante verte en disant bah, je sais pas quoi faire. Après ça va dépendre entre guillemets, je dirais de ton style de jeu, je sais pas si c'est le lieu et le moment d'en parler, de la façon dont on joue. Je suis désolée si vous entendez du bruit, on a nos chats qui... Ouais. Où je pense par exemple une ligne très directive, tu vas un point A, un point B, et peu importe ce que font les joueurs, de toute façon t'avances, ouais. Porte monstre trésor. Ou si tu laisses une liberté. Ça aussi des MJ très différents. Il y a autant de MJ différents que de joueurs différents. En fait, ouais, je pense, mais du coup. Moi je suis très narratif par exemple. Alors attention, narratif, pas narratif descriptif. Moi je suis très dans le narratif PNJ. J'ai créé énormément d'interactions. Je vais commencer par exemple, ça c'est un truc qui est très récurrent, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à écrire le premier scénario de mon nouveau groupe. Je vais avoir énormément de mal parce que j'ai pas de matière. Je connais pas les personnages, je sais pas comment ils vont les jouer. C'est drôle que tu dis ça parce qu'avec The Witcher, du coup, je vais tenter un truc, mais je suis vraiment pas sûr de ce que vous allez me faire. Quoi. Ouais. Donc, Et par contre, si peu, là par exemple, avec le. Là, je vous ai fini la petite campagne de 7-6. Ouais. Que je vous ai fait, là, la campagne du Fantôme Rouge, est terminée. Mais derrière, j'ai un truc de dingue en termes d'ouverture, de possibilités. Juste les gens de public. Hein. Ah, alors attends. Mais chialer les joueurs, dit Lucille. Je baisse un peu la musique. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois avec lui. Ouais. Bah, parce que j'aime créer des PNJ. J'aime faire pleurer les gens. Non, mais c'est pas que j'aime faire pleurer les gens, mais je pars du principe qu'une bonne histoire, c'est une histoire où t'as des émotions. Et les émotions sont généralement The Witcher créées IRL, par les personnages. The Witcher IRL, c'est du IRL, en ouais, physique, contre, ouais, pas en ligne. C'est moi, Lucille et un copain qui est en ligne. Et d'ailleurs, moi j'étais pas super chocho à l'idée de jouer à The Witcher, mais voilà, je me suis dit, bon bah. Voilà pour le groupe. Et en fait, t'as voulu être gentil. J'ai voulu avec être gentil. Moi. Et en fait, en créant mon personnage, j'ai fait. Ah mais en fait, ça va être super, j'ai des trucs super intéressants à faire, quoi. Parti dans un délire en nous inspirant bah, des jeux vidéo, en fait, de ce qui a été fait dans les histoires de jeux vidéo. En fait, parce que t'as commencé à porter un personnage, et je me suis dit,
Ah bah oui, on peut mettre tel perso, tu peux faire ça, on peut faire ça, est-ce qu'on bricole ça ? Et surtout qu'on a échangé de personnage, de style de personnage avec Lucille. Lucille devait faire un sorceleur et moi je devais faire un mage, parce que moi je joue toujours Mago. Et en fait ça ne branchait pas. Et ça ne m'inspirait pas, quoi. Ce que je disais sur les mages, ça ne m'inspirait pas. Je fais, mais pour, parce que pour moi, un mage, c'est pas quelque chose qui lance des boules de feu. Enfin, j'avais cette impression-là, en tout cas, quand je dis ça me plaisait pas. Et du coup, je suis parti sur un sorceleur, et en fait, le principe que j'ai fait, qui est très loin de, d'un Geralt. C'est vrai que tu connais plus l'univers aussi. T'es un peu plus au fait de l'univers que, par exemple, Lucie. Ouais. Qui s'y sont intéressés. Ouais, j'aurais beaucoup plus, j'aurais plus de facilité, puis surtout... Bah, j'aurais plus de facilité à jouer un anti-héros parce que bah faut dire ce qu'il y a, c'est un anti-héros. Vous allez le détester. Hein. Ah bah ouais, enfin je le dis tout de suite, hein, je vais avoir, alors, ça va être une des premières fois aussi que je vais jouer un personnage qui a zéro empathie. Parce qu'un sorceleur n'a pas d'empathie. D'ailleurs, donc, je crois sur ma feuille de perso, je dois avoir un ou deux en empathie. C'est noté sur 10. Mais t'es pas censé être. Geralt, c'est une exception, hein, son empathie. Hein. Geralt est une exception, tout à fait. Il est pas censé être empathique. Regarde Lambert, alors lui, c'est un connard. Mais justement, puis en plus, moi, de l'école d'où je viens... Oui, bah tu peux pas dire que t'es une école très empathique, non. Voilà, l'école de la vipère, c'est... L'école du tueur de roi. Voilà, hein, c'est... si vous avez joué à The Witcher 2, le... Attends, c'est la minute où je vais être pénible. Voilà. Il faut lire les livres, il faut faire les jeux, tout dans l'ordre. J'insiste, il le faut. Voilà. Voilà, exactement, exactement les. Bah, Elwin, oui, je vais jouer un disciple de Leto. Leto de Gouletta. Un de ses disciples. Qui ressemble pas trop à une vipère quand il ressemble plus à un meuf, ouais. Mais. Non, puis en plus, j'ai trouvé une illustration qui colle bien. Donc voilà, donc, du coup, moi, je suis super emballé à l'idée de faire ma partie, en fait. Et puis les persos, pareil. Alors je sais pas ce que ça a donné, du coup je t'ai pas trop demandé comment ça c'était la partie que t'as fait d'intro avec Lucie. Ah ah. Voilà, bah après je veux pas non plus trop en savoir. Et moi ce que j'espère c'est que elle va avoir fait une sacrée saloperie, Lucille, parce que les magos sont plutôt des saloperies. Elle est plutôt posée. Ouais. Mais je lui ai dit, en fait je vais vous le redire quand on sera à table tous ensemble. Vous avez le droit d'avoir tous des caractères de merde dans cela. Moi, j'ai un caractère de merde. Ouais. Donc, vous allez tous, je suis sûre, mais en plus, je vais le redire à Nico. Donc, vous allez tous vous foutre la merde entre vous. Je suis d'accord avec toi, Louis. Les règles, Mila va les simplifier. Ah non, je simplifie vachement parce que. En fait, c'est indigeste. C'est. Si tu veux transposer un jeu vidéo en jeu de rôle. T'es obligé de modifier plein de trucs. Et là, le souci, c'est que c'est devenu ultra lourd. C'est mécanique. C'est que donc, il y a plein de trucs que je vais enlever, des trucs qui font à la fois, par exemple, vieux JDR, genre, tu sais, à la Donjons et Dragons, genre, alors telle arme, elle a telle compétence, ça fait tel dégâts sur telle portée, tel machin, tel truc, quand tu l'utilises, ça fait ça, et elle a tant d'utilisation. On s'en bat les couilles, en fait. Hein. C'est juste super lourd, ça te casse un... De toute façon, nous, c'est ce qu'on fait dans la plupart des jeux. C'est qu'on... En fait, en tout cas, moi, et je pense que Morgane, c'est ce qu'elle fait maintenant, et du coup, t'étais à bonne école, c'est quand on fait des scénarios, nous, ce qu'on aime, c'est que derrière, on puisse les raconter comme des films. En disant, rappelle-toi le scénario qu'on a fait, et vous racontez ça comme si vous avez vécu une scène de film. Donc, il faut que ça soit cinématographique. Donc, si le seul souvenir qu'on a, c'est de jeter une brouette de dés, d'avoir fait des calculs, et... C'est ça. Voilà. Donc, je simplifie plein de trucs, mais en même temps, il y a des bases ou des idées que je vais reprendre un peu à ma sauce. Mmh. Mais il y a des choses, par exemple, l'alchimie, tu en créant un jeu de rôle avec les ingrédients. J'aurais pas forcément pensé en JDR, mais du coup, j'ai modifié le truc. J'ai adapté pour Xav. Ouais, puis t'as fait des petits... Et j'ai fait des petits jetons physiques. Des petits jetons. Donc je vais lui dire, bah t'as trois de ça. Je vais lui faire un petit tableau en disant, bah écoute, avec tout ça, je peux faire ça. Et puis, voilà. Et puis ça a un côté ludique quand t'es en jeu, de dire plutôt que de noter tes ingrédients sur une feuille. Ça, c'est un truc qui est méga relou, c'est quand vous avez des feuilles de perso qui font 4 pages. Il y a 4 pages de. Et tu dois écrire, t'as tel avantage, t'as tel avantage, t'as tel avantage. Tu joues ta partie, tu peux être sûr que 3/4 de tes joueurs ne vont pas utiliser leurs avantages parce qu'ils vont les avoir oubliés. Et ça, c'est un truc que j'ai vérifié parce que je suis à la base, je suis un gros joueur de prophétie. Et prophétie. J'oublie, moi j'oubliais tout. Bah ouais, parce que t'as des avantages, t'as des désavantages. T'as des trucs bien, de ton école, t'as des sorts, des machins, bah, t'oublies quoi. À un moment, t'oublies, tu cherches juste à faire ton jet, puis après que t'as fini ton jet, ah bah je me souvenais que j'avais ça, je peux refaire mon jet.
Alors, c'est relou, en Donc fait. du coup, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Elwin, du coup j'ai pris le site officiel fan de All The Witcher. Donc j'ai glané un peu des infos et en fait après je refais un peu à ma sauce le JDR. Je vais essayer de me faire la main, du coup la partie RL va me permettre de peut-être de remodifier, d'ajuster, voilà. Et si ça passe, peut-être que je verrai pour en faire en ligne. Mais déjà, il faut que je teste. Donc j'ai mes cobayes. Et là-dessus, dit d'ailleurs, prophétie tétra-technique, c'est vrai. Il y avait un côté technique. Le Après, nombre moi je le faisais à de. ma manière. Moi, franchement, prophétie, mes joueurs, Bah, ils par exemple, pour étaient. les avantages et désavantages. Ouais, ouais, Oublie, ouais. quoi. T'as Moi. tellement d'infos, en fait. Pff. Alors, la première édition était méga déséquilibrée. La deuxième édition était mieux. En fait, moi j'ai fait partie de Prophésine à un moment. Je vais écrire pour le Prophésine 6, qui n'est jamais paru. Et qui est toujours depuis 10 ans. Alors, mais depuis 10 ans, c'est toujours là en disant Prophésine 6 va bientôt sortir. Mais Toujours quand non, tu bah, auras 80 ans. Prophétie, c'est typiquement le jeu que j'ai adoré, mais maintenant je pourrais plus jouer. On en a refait il y a quelques années, on a refait une nouvelle table. Et Ouais, mais je c'est que ça sais c'est pas c'est quand plus. avec ça c'est pas bien fini. Non, c'est pas qu'une question de ça, c'est aussi une question de. T'as été écœuré, je J'ai pense. perdu le goût de prophétie, clairement. Ça va peut-être Ouais. revenir un jour, mais Ouais, t'en as été écœuré, je pense. un peu écœuré. Puis ouais, puis au Parce bout qu'on d'un en a fait moment. beaucoup à un moment, à Non, une période, hein. puis même, c'est en vieillissant, c'est vrai que les jeux, quand tu vois des monceaux de mécanique et tout, tu fais envie de tout ça, quoi. C'est vrai que les jeux comme Wizin, où t'as pas de dé à jeter, tu te concentres sur le C'est d'un narratif, pratique, et c'est pour vachement bien. Et commencer ça en roule. plus, Ça roule. commencer à me jeter, c'est d'un pratique. Ça roule bien. Ça se joue qu'avec, en gros, allez, 3, 6, 9, 6, 12 points, tu répartis que t'enlèves ou pas. Nox. Bah Mais voilà, la difficulté c'est tant. Si t'as ta compétence, elle est au niveau, c'est c'est bon. bon, tu réussis. Bah moi ça me convient, quoi. Wizin, C'est c'est top. un peu ça, et puis bah après, bon, bah faut qu'ils pètent un point s'ils veulent réussir, mais ça reste ultra simple à manipuler en fait. Et comme ça, tu peux vraiment, au lieu de passer diplôme sur ta fiche de perso en disant putain, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, bah tu peux vraiment te concentrer sur le jeu et les moments en fait. Ouais. Et devenir RP du coup. Parce que quand tu passes diplôme, bah toujours relire ta fiche de perso en disant attends, bah faut que je pense à mon avantage de mousquetaire qui me dit que je fais ça et que je fais ça. Du coup, t'as loupé la moitié de la conversation. Ouais. Et Et tu réfléchis surtout. en tant que joueur, mais pas en tant que perso. Ouais, c'est ça. Ça te coupe. Moi ça m'agace. Je sais plus si je me. Je sais plus si ça nous l'avait fait avec Lucille la première fois que tu jouais au jeu de rôle avec nous. Lucille, c'était toujours là en train de nous écouter. Je pense que ça t'a fait bizarre la première fois que tu as joué avec nous parce que tu disais souvent bah mon perso dit ça. Et on te disait, bah dis-le. On te disait, bah arrête de dire mon perso dit ça. Dis-le, fais-le, joue-le. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu t'es pris au jeu et et puis tu le faisais en D'ailleurs, fait. maintenant c'est. Attends, tu lui dis ça? Bon, Non, non, après Lucille, alors Lucille, le côté avantageux avec Lucille, c'est que, Elle est bon public. Déjà, alors d'une d'un part, bon public elle est très bon et de public. deux, je sais comment réagir, donc je sais exactement comment amener Lucille d'un point A à un point B. Je venais de, ouais, tu venais de DD, Oui, c'est ouais, c'est vrai. aussi, ouais, c'est DD. Quand t'as des MJ entre guillemets classiques, ça te donne des mauvaises Aucun RP, habitudes. bah voilà, oui, bah Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est t'avais pas fait ça, de c'est RP. ça. Ah, ça Et change, hein. ouais, c'est. Et c'est aussi pour ça, quelque part, que j'écris pas tant que ça. J'écris juste mes grandes lignes. Et après, je laisse les joueurs faire parce que, en fait, c'est eux qui vont se créer leur moment. Moi, je vais pas être en train d'être tout le temps en train de réfléchir, en train de me dire est-ce qu'ils suivent mon truc, est-ce qu'ils suivent mon truc. Je vais les regarder évoluer, puis de temps en temps, Ouais, bah c'est. Tu fais comme moi en fait. je vais balancer des petits trucs et voilà quoi, c'est tout, Ouais. ça va se faire naturellement. Moi j'ai. En Plutôt fait. que de casser potentiellement une symbiose qui est en train de se faire, quoi. Je reviens aussi au sujet quand même du jeu de roquette. Moi je vais trouver. J'en parlais un peu dans la vidéo. Je vais trouver une particularité de l'univers. Je vous donne un exemple avec Seven Seas, hein, qui est vraiment le jeu. Pendant un temps, il était sorti en version semi-officielle. Quand je dis du semi-officiel, c'était des fans qui avaient fait un gros supplément gratos, hein, qui faisait 200 ou 300 pages sur la sorcellerie. Et il y avait des sorcelleries qui étaient vraiment très bonnes, en fait. C'était pas du overpété, complètement bidon, etc.
Mais il y avait d'excellentes idées de sorcellerie, et notamment, par Salut, exemple... Edwin. Salut, Elwin. Dans Seven Seals, à un moment, bah, ils avaient une idée, ils avaient un moment, une idée de sorcellerie, une sorcellerie bah, quasiment oubliée, qui était le contrôle des miroirs et des reflets, en fait. Et après, bah, toi, derrière, tu es là en train de réfléchir à des idées, notamment à des idées bah, de meurtre, de huis clos. Moi, c'est un truc que je faisais de temps en temps à Seven Seals, c'est les huis clos. Ils sont dans un château, il y a genre une tempête dehors, ou alors il y a des grosses bestioles, ils peuvent pas sortir. Et putain, ils sont peut-être une dizaine dans le château, tu crées 5-6 PNJ, et paf, il y en a un qui se fait buter, merde, c'est l'un d'entre nous. Ça, ce Qui qui est c'est? drôle, c'est que ça me rappelle. Alors, attention, jeu vidéo. Oblivion, Oui. mission d'assassin, Je la m'en même souviens. chose, mais en tant qu'assassin. Et Ouais. personne ne te tricarde. Ouais. Et ça, c'est chouette. Ouais, je m'en souviens de cette. Elle est trop bien en plus. Ouais, elle était vraiment Ah, sauvage j'adore, cette ouais. quête-là. C'était rare de voir ce genre de quête T'étais d'ailleurs, toujours dans la pièce avec en le quête gars. Oh d'enquête. non, je le trouvais comme ça. Je comprends pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, déjà, je fonctionne comme ça. Je vais trouver une idée de meurtre parfait en disant, attends, un type avec une sorcellerie, comment il pourrait faire un meurtre? Et en fait, non, j'avais pas fait avec la magie des miroirs. Non, j'avais fait autre chose. Non. C'était avec un alchimiste. Je me rappelle plus du scénario que je leur avais fait. Avec Mais nous. c'était pas avec non, c'était pas avec toi. J'avais fait un truc avec un alchimiste. Il y avait une sorcellerie basée sur l'alchimie du sang. Je sais plus. Il y avait comme délire. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ils avaient fini. Ah, il existe telle sorcellerie. Du coup, cette sorcellerie explique certains trucs. Et donc, à partir de là, ils démêlent l'affaire en fait. Mais au fur et à mesure, ils découvrent un truc. Fait, attends, comment un mec qui était là d'un seul coup peut disparaître? Comment c'est possible? Ok. Quelles sont les pistes? Quelles sont les sorcelleries? Bah, vous ne connaissez aucune sorcellerie qui permet de faire ça, par éventuellement la sorcellerie de téléportation. Et donc, ils partent sur des pistes. Et à partir de là, tu fais, ok, j'ai créé mon meurtre parfait. Maintenant, je veux quand même qu'ils arrivent à arriver sur Trouver la cette piste, à réponse, trouver la ça réponse. va mal. Donc, quels indices je peux leur amener? Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Alors, c'est con parce que je vais vous donner, pour certains qui sont joueurs avec moi, des clés. Bon, du coup, je vais essayer de noyer le poisson. Je vais faire un coupable idéal. Donc, en gros, un mec ouvertement, quelquefois désagréable, C'est lui le méchant. pour qu'on se dise, oh, lui, je l'aime pas, c'est lui le connard. Attends, c'est la phrase préférée de Lucille. Oh, lui, Voilà. je l'aime Oh, lui, je l'aime pas. Bah, ça, c'est simple. Avec Lucille, je suis juste un mec, un tant soit peu Ouais, pédant. elle a mis de l'eau dans son vin. Ah, Voilà. Lucille. Et là, elle fait, Lucille, il fait, ah, merde, mais je l'aime pas, lui. Et là, je fais, c'est bon. C'est bon, du coup, le méchant, lui. Après le méchant, bah, généralement je le fais gentil ou insoupçonnable. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant les gens qui vont jouer avec moi vont se dire, ok, quel est le mec le plus insoupçonnable de parmi tous les PNJ? C'est L'enfant de lui, 6 ans, c'est je suis lui, là! c'est lui le coupable. Mais voilà, tu fais là-dessus. Toujours l'agent d'entretien. Je suis Après, tranchée, elle est con! donc je trouve les indices Oui. qu'ils vont pouvoir trouver. Je fais une chronologie en disant bah mon coupable il va pas rester statique, il va pas attendre Bêtement, ouais. bêtement qu'on vienne le chercher, il va peut-être commettre d'autres meurtres, il va évoluer peut-être dans son plan, les autres PJ ou PNJ ont peut-être aussi évolué de leur côté, voilà. J'ai cette chronologie-là, et en gros, si je prends des notes, le peu que je prends de notes, et j'en prends vraiment peu, c'est moi par contre mon gros gros défaut, parce que généralement. Quand on joue 5-6 mois plus tard, parce qu'il y a eu un confinement et que on doit reprendre la partie. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce fait? qu'on a fait la dernière fois? Rappelle-moi comment il s'appelle ce personnage. Parce que 90% du temps, je suis en impro. En impro, j'ai mon cheminement. Je sais où je veux aller. Je sais où je vais emmener mes personnages. Et alors par contre. On se pose. Voilà, si j'ai malheur de faire une pause de plus de un mois. Bah, moi, tu vois, je mets le nom, en fait, quand j'enregistre mes fichiers. Le nom, j'enregistre avec le nom, par exemple, du PNJ ou Ouais. je ne sais quoi. Et j'écris dans mon scénario si je le fais intervenir, donc je mets son nom. Et par exemple, si c'est, je sais pas, une relation particulière, je sais pas, directeur de machin, ou de tel établissement, ou frère de bidule, je vais le mettre aussi.
Parce que des fois, quand je voyais mon scénario, je me dis, ah oui, c'est vrai, putain, je m'étais dit que c'était ça. Donc, bon. Mais c'est bon, après, l'impro. Après, moi, il y a aussi un truc que je veux absolument éviter dans mes scénarios, c'est le syndrome qu'ont beaucoup de joueurs. Si le MJ me montre une illustration, c'est que c'est un PNJ important. S'il n'y a pas d'illustration, il n'est pas important, je vais pas me préoccuper de lui. Et du coup, maintenant que je fais ça, ça brouille énormément les pistes parce que le nombre de fois où je me suis retrouvé avec les PJ qui vont. Je sais plus si dans Seven à un moment j'avais prévu, je sais plus si c'était toi ou Lucille, que vous deveniez pote avec un PNJ que j'avais créé. Et en fait, vous n'avez pas du tout collé avec ce PNJ et vous avez collé avec un PNJ Il servait à rien. que j'avais improvisé sur le moment. Et vous avez dit, ah, ce PNJ là, il est cool. Et je vais en faire un copain et machin. Et alors que lui, bah, je l'avais improvisé. Alors que le PNJ que j'avais bossé en disant, bah tiens, j'ai une illustration, il va être à avoir tel et tel caractère, ça passait pas du tout. En disant, non, lui, je l'aime pas, je veux pas le voir, etc. Donc du coup, j'évite de trop. Alors malheureusement, c'est un truc que je peux pas faire forcément quand tu en distanciel. Parce que c'est important, vu qu'il y a pas le. Y a pas, vous voyez pas mon visage, vous voyez pas mes gestes, etc. en Bah, en distanciel. distanciel, je dirais que c'est plus C'est compliqué plus parce que tu compliqué. peux pas dégainer une photo en disant ah t'as forcément ce truc genre ah putain Non mais en ah faut que distanciel, il est quand même important, vous ne pouvez pas vous baser que sur la voix du compteur pour vous arriver à vous imaginer complètement les choses. Vous dire ce qui est, enfin moi je le vois la différence entre en MJ en distanciel. Il y a des jeux auxquels j'ai eu beaucoup de mal. Ma 7C, je suis gros master de 7C. En distanciel, j'ai été bloqué, quoi. J'étais forcément bloqué parce que 7C, c'est énormément de descriptif, d'entrain à mettre. Et en fait, le système de jeu de 7C, quand tu es dans le feu de l'action, tu jettes les dés, tu fais tes Ça combinaisons, marche bien. etc. Et ça roule, tu es toujours dans le feu de l'action. Potentiel, c'est pas Et en pareil, je suis distanciel, d'accord. non, ça coupe. Tu es en train de faire ta description et en fait, le fait de lancer les dés, ça te coupe. Et. Il suffit d'allumer la caméra. Bah non, Cali. Non, Cali, parce que justement, il suffit d'allumer la caméra quand tu fais du live. Si j'allume la caméra pour que les gens me voient en live, les gens qui me suivent sur le Discord ou autre ne peuvent pas me voir parce que la caméra, tu ne peux la mettre que sur un seul logiciel et tu ne peux pas coupler sur plusieurs logiciels. Donc s'ils veulent me voir, ils me voient avec un délai de retard sur Twitch. Donc, marche pas. Marche pas. Et puis même, hein, voilà, mon ancien métier, ma spécialité, c'était le non-verbal, des choses. Clairement, ça coupe des choses. D'informations. Ça fonctionne très bien, le distanciel. Hein. Moi, maintenant, je suis convaincu du distanciel. Hein. Mais ça te coupe Ça d'une coupe. certaine énergie. Ouais, de... J'ai plus le mot. Pas de... L'entrain? Non. J'ai perdu mon Ah, mot. spontanéité. Merci! Oh Ouais. putain. Je me suis dit, je vais chercher pendant 3 heures le mot, ça va me revenir en 3 heures, je vais dire... Voilà. Je vais la voir se réveiller à 3 h du matin. Non, non. C'est vrai que... Ouais, IRL, bah en plus, 7C, tu manipules quand même vachement au niveau des mises, t'as... C'est jouer beaucoup avec le toucher et l'aspect des objets qu'ils ont mis à disposition en plus avec le Kickstarter, donc c'est très particulier. T'as plus tout à fait ça en ciel. T'as des jeux, bah par exemple, Within, c'est pas grave, tu vois, parce que t'as pas besoin de. Wizzine, ouais, l'avantage c'est que c'est T'as extrêmement pas besoin de descriptif, matériel en t'as pas besoin de fait. matériel, Donc. pas besoin de dés, etc. Techniquement, je pourrais. Il y a un truc où je pourrais le mettre en place, mais. Ça marche très bien sans. Non, puis voilà, puis toi avec Wizzine en plus, sans spoiler Non, 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 le non, large. pas de spoil, no spoil. Bouchez-vous les oreilles tout de suite. Voilà, parce que voilà, au cours d'une discussion, en fait, l'idée de ta campagne a germé la discussion justement quand je commençais à te parler. Bah, moi, j'aime bien parler, en fait. J'aime bien échanger avec toi parce que alors, t'as de l'expérience. Et en même temps, ça me fait aussi un regard extérieur de me dire, est-ce que j'ai une bonne idée? Qu'est-ce que t'en penses? Et potentiellement, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Pour que ça soit mieux. Et le conseil que je te dis à chaque fois, c'est soigne tes PNJ, quoi. Enfin,
grand TPNJ unique, ton vilain travaille-le comme ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne. Quelques mois que je me jette, donc... Ah, franchement... Non, mais si, il y, pas... si, y a des choses... C'est... Bah, par exemple, faire un vilain, faire... Bah, ton vilain, il est très bon, ton vilain. Il est très bon, enfin, franchement. Moi, non, ou des idées, ou des affaires, des déroulés, des trucs... ouais, je sais pas. Je... Non, je dirais... Je tends à m'améliorer, mais... je dirais, si je vais faire une critique, et je sais pas si j'avais déjà dit, c'est au niveau... gestion, peut-être gestion du temps. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà. Quand t'es avec une nouvelle équipe, fais d'abord un scénario court test pour voir comment il fonctionne. Non, parce que je suis parti en terrain conquis, ouais. Ouais, surtout, tu connaissais pas tes joueurs et t'avais eu des joueurs qui sont extrêmement différents. D'une table à l'autre, c'est pas la même. Et quelquefois, tu peux avoir les mêmes personnages. Il suffit que tu aies une autre table et la personne est totalement différente. J'avoue que ça, j'ai pas. L'effet de groupe. C'est juste un effet de groupe, c'est psychologique. C'est J'avoue que ça, j'ai pas géré. J'y ai même pas pensé. Je suis vraiment partie. Je suis restée en fait sur mon tu élan. Tu dis ça passait bien parce que ta table. Oui, parce que je suis restée sur mon élan en disant je vais faire ça, ça va passer. Ouais. Et puis voilà, puis t'as pris ta deuxième table exactement comme la première. J'aurais pas dû. Ouais. Et t'es des joueurs qui sont très différents. Non, parce que c'est ça, faut que je vous adapte d'une table à une autre et j'ai pas. Spontanément, enfin, je n'y ai pas pensé, je me suis. Non, mais après, voilà, pas que le scénario est bon, etc. Après, effectivement, derrière, ça peut faire des rajustements en cours pour se dire bon, faut vite qu'on trouve une solution pour que je ramène les joueurs sur un giron, un truc qui leur plaît mieux, qui les conviendrait mieux, sans pour autant toi te dénaturer, hein. Moi, si je tombe sur des joueurs qui font du porte-monstre trésor, ok, bon, on va finir le scénario rapidement, et puis vous retrouverez un autre MJ, parce que le porte-monstre trésor, vous en verrez pas ici. Non, Kelly, pas du tout. Non, et puis, je parle d'un effet de groupe, hein, je parle pas de joueurs spécifiquement, hein, je parle d'un effet de groupe. Mais c'est vrai que l'effet de groupe, ça compte. Mais tu regardes, c'est pareil. Le but du Capharnaüm, c'est d'avoir des tables essentiellement féminines. Tu prends une femme ou deux... dans une grande table avec que des joueurs, toi en tant que femme, tu vas pas jouer pareil sur cette table là qu'avec une autre table où il y a par exemple que d'autres femmes. C'est pour ça, alors je me suis pas pris non plus énormément de critiques de release parce que, mine de rien, c'est un truc qui m'a assez déçu quand on a créé le Capharnaüm. Je me serais attendu à avoir un peu plus de retour de release et j'ai énormément peu de retours de rôlistes, aussi bien rôlistes féminines qui trouvent ça cool, mais des rôlistes masculins, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à branler. Que ça leur change rien, qu'ils s'en foutent. Ils en ont rien à branler de voir du jeu de rôle féminin. Et le peu de retours que j'ai pu avoir de rôlistes masculins, c'est de dire moi ça m'intéresse pas parce que c'est pas équitable. De quoi qui est pas équitable? Au jeu qui a autant de mecs que de filles. Justement, c'est ça qui est pas équitable. Des nanas dans un groupe, et ça, il y en a beaucoup de femmes. Alors, il y en a qui l'ont pas vécu, ils le disent. Hein. Moi, je l'ai pas vécu, j'ai toujours bien vécu ça. Puis, il y a d'autres joueuses, même y compris à mes tables, hein, ou même moi en tant que joueur, qui l'ont dit, réalisé, où j'ai réalisé en disant qu'effectivement, cette joueuse fermait sa gueule, ou n'osait pas parler, ou effectivement, le peu qu'elle parlait, on l'écoutait pas en fait. On lui donnait pas la parole et on l'écoutait pas. C'était un comportement à voir avec elle qui. On avait un comportement qui était problématique. Et ça, il y a plein de mecs rôlistes. Je vois pas où est le problème. Donc c'est pour ça qu'on a fait le Capharnaüm. Je dis, le but, c'est d'avoir essentiellement des femmes parce que je reste un mec et moi j'aime beaucoup jouer avec des nanas parce que c'est super agréable de masteriser des nanas. Parce que justement, là où le mec va être dans le côté rock-sort technique, alors je dis pas tous, hein, mais ils vont vraiment vouloir chercher le côté rock-sort technique. Je veux que mon personnage gagne en XP, je veux faire des scénarios, je gagne en XP. La plupart des nanas rôlistes vont rechercher, je veux faire évoluer mon personnage, cette histoire-là m'intéresse beaucoup, j'ai envie de le faire évoluer dans telle mentalité. Et c'est beaucoup plus plaisant à masteriser. Mais c'est bien parce que toi, t'as joué... je parle en tant que femme rôliste, tant avec des copines
que finalement des un peu. Bon, j'avoue que là-dessus, je peux pas avoir, pas me permettre d'avoir autant de recul. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que je. Enfin... moi, je préfère. Ouais. Le nombre de parties que j'ai fait avec des mecs. Tu le dis, ou alors simplement tu parles des personnes atypiques. Ouais, ou même tu vas. Et tu es, voilà, là, ou l'exit, parce que le MJ le rend volontairement sexiste. Ouais. Alors, moi, après. Moi, ce que j'aime bien, enfin, on voit souvent, il y a beaucoup de social dans mes scénarios. Oui, d'ailleurs, ça devient problématique parce qu'on veut sauver tous les PNJ, du coup. Alors, pas dans le côté de vouloir sauver des PNJ, mais en tout cas, je veux mettre une réalité sociale. Et par contre, si vous jouez, par exemple, des femmes, vous voulez vous jouer des féministes, je fais en sorte que le patriarcat s'en sorte pas, en fait. Et ça, derrière, effectivement, dans le monde réel, le monde est un peu pourri dans ce qui concerne le droit des femmes et compagnie. J'ai pas envie que, par contre, dans un jeu... Vous êtes là pour vous amuser. Que ce soit comme dans la réalité. On vous rappelle que non. Même là, dans une partie, dans un jeu, tu fermes ta gueule, quoi. J'ai pas envie qu'il y ait ça. Donc, je veux ramener des réalités sociales, comme j'ai pu le faire dans Notes, avec un personnage qui est aussi complètement improvisé, qui est le personnage de la prostituée, en vous disant bah, le monde est cruel, le monde est dur, et qu'effectivement, vous voulez sauver la nana en disant on va cramer la maison close. Mais justement, effet Thanos, et après bah non, mais... Vous en faites quoi de la gamine? Pas ou rien. Pas ou que dalle. Puis c'est pas parce qu'on va brûler cette maison close que ça va fermer toutes les maisons. Et au contraire, ça va créer un enchaînement de conséquences avec les gens qui géraient la maison close. On sait qui c'est qui a cramé le truc. On va refaire un truc, mais ça va être deux fois plus violent. On va sécuriser le machin. Et puis derrière, est-ce que les filles qui restent vont pas se reprendre encore plus plein la gueule parce qu'elles ont rien vu venir et que, enfin, tu vois. Voilà. Le syndrome. Enfin. Moi, ça me dérange pas hein, de faire des scénarios, on va dire syndrome chevalier blanc, l'Avenger, ou voilà, Captain America, il tabasse tout le monde, et à la fin, haha, je suis le héros. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est Soldat de l'hiver, et ok, les conséquences derrière, qui ramasse votre merde. Et ce qui peut être intéressant, c'est de jouer aussi là-dessus, de dire, bah, le monde, il n'est pas que tout blanc, il n'est pas que tout noir. Et la nuance existe chez les vilains, elle existe aussi chez les héros. Et donc, c'est là que je mets énormément de... aspect social pour aussi derrière de dire bah on va essayer d'arranger les choses mais avec aussi les erreurs qu'on pourrait faire comme tout à l'heure. Je trouve ça plus intéressant à faire que bon bah j'ai tué le vilain et du coup le monde ben il y va beaucoup mieux. Allez fini, on passe à autre chose. Ben non. Parce que quelqu'un d'autre prend sa place en fait. Tu changes pas le monde en tuant des gens, en fait. Hein? Quelle belle moralité. Quelle belle moralité, en fait. Merci. Tu changes pas le monde en tuant des gens, tu changes le monde en changeant les gens, en fait. En changeant leur façon de penser. Donc, ben, quelquefois, c'est pas en tabassant... Même si ça fait plaisir, hein. Même j'avoue que ça vous a fait plaisir de tabasser ce pauvre... Contenté de le faire chanter. C'était très plaisant aussi. Oui, non, mais après, le côté des flancs... Enfin, voilà, moi, j'ai eu aucun problème à faire que le vilain, vous arriviez à le faire chanter, que vous l'arriviez à le rendre ridicule, et puis qu'à la fin, il s'est fait complètement bolosser comme un con. Ça, il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai pas de problème avec des PNJ. Il y a beaucoup de MJ qui peuvent avoir ça. C'est le syndrome du PNJ roi, en fait. Il va avoir des MJ qui ne vont pas jouer... pour les joueurs, mais qui vont jouer contre les joueurs. En disant, moi, ce que je fais, c'est que je fais un scénario, et ça, j'en ai connu des MJ comme ça. Et ça, ça me... Le but, c'est de buter les joueurs. Le but, c'est... Non, c'est pas de buter les joueurs, c'est de les niquer. Dans le sens où, à la fin, vous avez été nuls, hein, bah, je vous ai bien niqué. Et t'es con, t'es le dieu de l'univers, donc... Évidemment que si t'as envie de nous niquer, tu nous niques derrière. Non, ton but, c'est de créer un beau moment. Enfin, le MJ, il est garant de la bonne ambiance autour de la table. Si tu te défoules de ta journée en nous fêtant
des PNJ absolument intuables parce que t'as envie de jouer un mec super badass qui fout des branlées à tout le monde, bah tu t'es planté de jeu, c'est joue pas un jeu de rôle en fait. Joue un jeu Hein. Joue vidéo. un jeu vidéo, prends Street Fighter et puis joue en ligne, hein, enfin. Et ça m'agace aussi au fait. Je trouve que c'est très masculin. C'est très masculin. C'est très C'est très masculin ça, masculin. ouais. Je n'ai jamais vu ça avec des MJ féminins. À part, je veux dire, à part Marie, je suis en train de jouer avec des jeux de Ah femmes, hein. non. Ben. Ben non. Jamais eu de MJ femme. Par contre, j'en ai vu des MJ femmes. J'en ai vu d'ailleurs trop peu. Mais le peu que j'ai vu, moi, ce que j'ai adoré, c'est que les MJ femmes entrent sur l'histoire, l'ambiance, les personnages, enfin, vraiment, elles veulent créer une bonne histoire, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans un jeu de rôle. C'est pas créer la putain d'action. Alors, alors j'ai rien contre les joueurs qui font ça. Mais ça me flingue quand je vois des types qui passent des heures à construire le modélisme pour leur partie de Donjons et Dragons. Et c'est bon, j'ai préparé mon scénario. T'as préparé quoi? T'as juste une figurine? Enfin, t'as préparé un scénario? Et non, t'as préparé tes supports. Et ça, moi, je joue pas avec des supports. Là, par contre, je suis un gros grenu au niveau support. Hein. Comme dit, tu peux décrire la scène. Alors attends, je fais un pauvre dessin merdique, etc. Ça, c'est mon gros problème. Mais derrière, je peux pas préparer que ça, en fait. Les PNJ, tu leur crées un caractère. Et le caractère, c'est pas juste. Bonjour, je suis un PNJ. Bonjour, je suis un PNJ. Ou lui foutre un accent de merde. Comme je peux en voir des fois dans des lives. Je sais plus le nom de jeu de rôle. Et à un moment, le mec, il a juste mis un accent à un de ses PNJ aubergistes. Et c'est tout. Il a juste un Ça, il accent. donne pas d'histoire. Ça lui donne pas d'histoire. Ouais, puis vous, Ouais, ça oui, c'est coupe, ça, ça ouais. coupe. Enfin, moi, je sais que dans les parties de jeux de rôle que je faisais, à l'époque où je faisais des nuits blanches de jeux de rôle, moi, ce qui m'endormait, c'est quelquefois quand un PNJ qui fait au maître du jeu, ben, moi, je pars à l'écart du groupe j'ai des trucs à voir avec toi, MJ. Ici, là, dans la cuisine, pendant 10, 20, 30 minutes, 40 minutes, t'es là, tu. Et puis après, t'as le MJ qui vient te voir en disant, bon, il s'est passé des trucs, il se passe ça, ça, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de son côté, le mec? Le mec, en fait, il a fait de son côté, toi, tu t'es fait chier pendant 30-40 minutes, Pour 30 et tu 40 subis minutes, les ça va. conséquences de ce que le mec a fait. Ah ouais, non, moi, j'ai pas tenu aussi long, moi. Oh, oui. La plus longue partie que j'ai pu faire, J'étais nuit blanche. c'est une nuit blanche. On s'est couché, il devait être 10-11 heures du matin. On Oui. avait commencé, il devait être 8-9 heures. Il s'est couché à 10-11 heures et c'était un duo avec moi, Martial, et puis c'était du. Par contre, la putain de partie, quoi, c'est un des meilleurs souvenirs, quoi, avec la mafia russe, enfin, il y avait un super truc, une super aventure, ça aurait pu faire un film, en fait. Mais après, tu dis du vendredi soir au dimanche soir, quel mange-tu? Ouais, Trop ouais. d'un coup. T'as forcément des moments où tu redescends. Ça se sent dans une partie. Quand t'arrives à un moment où bah, tout le monde fatigue, même toi, hein, et à un moment, tu sais plus où t'en es. Quand tu vois que tes joueurs commencent à faire n'importe quoi, où ils ont plus d'idées, ou. Ouais, puis alors en plus, moi, dans le groupe de joueurs dans lequel j'évoluais, qu'on se faisait des week-ends de jeux de rôle, bah, en fait, on se rendait compte que dans les fameux week-ends jeux de rôle, on n'avait pas tant que ça. Il y avait énormément de. Enfin, en tout cas, moi j'évoluais avec des joueurs qui étaient énormément axés sur le RP. Et beaucoup aussi du MJ, alors ce que je fais aussi moi de temps en temps, qui aime bien faire des intros personnalisées. Bah, quand tu as un groupe de 5 joueurs, les intros personnalisées Tu joues de pas. 1 heure à chacun, Tu joues pas. bah voilà. Tu joues pas. Et tu te retrouves en disant week-end, on va faire que du jeu de rôle, donc tu crées ton personnage. T'as beaucoup d'échanges avec le MJ, machin, machin. Après, intro personnalisé, ben, t'es déjà le dimanche matin.
Et le MJ qui te fait, bah écoutez les gars, je suis complètement claqué. Parce que le MJ, il est complètement explosé d'avoir fait que parler, d'avoir aidé les joueurs, il est explosé. Et il te commence un scénario que t'as pas le temps de finir. Et ça, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où moi j'étais emballé par un jeu qui s'appelait Nephilim à l'époque. Et qui existe toujours, ouais, mais enfin, je veux dire, le lore est absolument gigantesque. Et on avait prévu faire un week-end Nephilim, et ben on a juste fait l'intro Nephilim. Et plus jamais rejoué. Voilà. C'est con. Voilà. Ça te va être un jeu en Et fait. moi j'étais hypé de ouf par le jeu et. Et ouais. Et donc je n'ai jamais fait Nephilim. C'est un peu ma. Ça, pareil, j'ai fait du. Loup-garou, ça arrive. Loup-garou, j'adorais être joueur de loup-garou. Et ça a tenu en un week-end. Et puis bah, c'était à l'époque où. Ça aussi, un gros travers de MJ, MJ omnipotent, qui t'appelle donne un coup de fil un soir. Ouais, Xav, tu peux me faire un jet de dés? Pourquoi? Ah, parce qu'on est en train de faire un scénario de l'autre côté. Est-ce que tu peux faire un jet de dés? Tu fais un jet de dés, tu donnes le résultat. Ton perso est mort, salut! Quoi? Non, ça c'est pur ça. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement de merde? Le mec, le MJ qui t'appelle en te demandant de faire un jet de dés, alors toi t'es peut-être occupé à faire autre chose, il te dit pas ce que tu fais, machin. Ton personnage est mort. Tu sais même pas pourquoi. Voilà. C'est le genre de groupe que je pouvais côtoyer à l'époque. Salut Fitzgoon, ça va? Salut. Donc voilà. Donc tout ça pour en revenir au sujet. Sur les scénarios d'enquête. Ben, tu vois, le scénario d'enquête, c'est assez bon que t'as pas tant de combats que ça. Ouais. Alors Donc, moi c'est un truc du que je fais coup, régulièrement aussi, c'est qu'il y a plein de scénarios que je vous ai fait où il n'y avait aucun combat. Zéro un combat. peu. Ou peu de combat. Un peu. Du coup, c'est l'avantage où tu t'as pas cette frayeur de combat, tu dis, oh putain, ça va durer 10 plombes pour faire un G, pour en fait que ça dure 3 secondes en IRL. Ou... C'est l'avantage aussi du narratif. Je vais simplifier des règles Ça de jeu. dépend de la dynamique. Par exemple, dans la fin de campagne de Seven Seas, je vous ai fait une grosse baston à la fin Oui. pour clôturer la campagne. Alors qu'en fait, quand vous regardez dans la campagne que je vous ai fait, les bastons, vous les comptez sur la doigt de la main. C'est Il y a vrai. eu une baston dans une caverne. Une baston contre les Stremons de L'orphelinat du Carrousse. l'orphelinat. Je n'ai pas eu plus. Hein. On Ouais. fuit. Et le personnage combattant, donc Nico, le personnage qui joue un combattant, n'est pas frustré. Non. Pas du tout frustré de pas qu'il n'y ait pas de Bah, combat. je pense, t'as ça et t'as aussi le fait que, enfin, moi je sais Par contre, il s'amusait dans les on a fait combats. des jeux de rôle où, voilà, le but c'est de t'amuser pendant les combats, mais c'est que les autres qui ne se battent pas forcément soient pas là en train de s'ennuyer pendant 40 minutes le temps de faire tous tes GD alors que ça dure 5 secondes en vrai et Bah, que c'est c'était que ça. le premier round, quoi. Oh C'est ça. Faut que les joueurs. Alors après, ça dépend du MJ. Non mais Ou le peu. t'as Le des peu... systèmes très techniques, tu Ouais. sais, en jeu. Mais le peu de personnages combattants que moi je me crée, j'en crée pas forcément souvent, mais c'est vrai que quand je crée un personnage combattant, c'est que derrière je me dis que. J'ai pas envie de me défouler, mais c'est limite un peu ça. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire un truc très cinématographique. Hein. J'ai joué à du anima. Ça c'est vrai. Tu t'es Voilà, éclaté. je me suis éclaté parce que c'était super cinématographique. J'avais un MJ qui était à fond dans le cinématographique. Tu Je me suis fait t'amusais, un ouais. combattant. Et quand il m'a dit, non, mais vu ton niveau de compétence et de force, tu peux te permettre de faire ce genre de truc. Et là, tu fais. Ok, je On prends le a, mec par le honnêtement, pied, je on avait l'éclate ouvert la les porte des portes de enfers. l'enfer. C'était. Et je faisais, du coup, je m'éclatais. Parce que moi, il n'y a rien de pire qui m'agace quand t'as je fais le MJ qui est très agacé en fait, quand je dis ça. Mais quand je Tu fais suis. MJ vénère ce soir, je Ouais, trouve MJ que vénère. Mais t'es quand je voilà. décris à un joueur, donc voilà, il y a ça qui se passe, tac, 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 scène de combat, qu'est-ce que tu fais? Et le joueur qui fait. Acheta. Bah, je tape. Oui, mais c'est-à-dire, tu tapes comment? Ben, Bah, je avec mon tape. poing. Ça va être long. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Décris-moi cinématographiquement, comment tu fais? Ah, bah. Prends mon élan et je lui donne un coup de poing dans la figure. Tu t'es mis
Le score maximum en lutte, faire ou en ça? combat, ou en maniement des armes, tu es un combattant émérite pour juste me dire, je mets un coup de poing dans la figure. Je répète, c'est l'avantage de l'enquête, t'as pas forcément ce genre de Voilà, truc t'as du pas coup. forcément ce genre de truc. Non, non, mais au moins tu as des trucs. Moi, quand mon MJ m'a dit, non, non, mais attends, vu ton niveau de compétence, tu peux faire fi d'une certaine gravité où Donc en gros, si je fais ça, 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 je peux. Ah, ça passe. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et puis après, ton MJ, il te fait. Ouais, ça me paraît possible, jette ton dé. Ok, ça passe. Plus, moi j'avais un personnage magicien, j'aurais pu te buffer, ça aurait pu être drôle, hein. Ouais. Mais Ça aurait pu être drôle de c'est ça qui est continuer, ouais. intéressant. Et moi, c'est de la frustration que j'ai en tant que quelquefois en tant que MJ. C'est quand je donne la main au joueur. Et ça commence à vachement rentrer, je trouve, la dernière partie de Seven Seas qu'on a faite. Si tu regardes bien, je vous ai demandé de me décrire à chaque fois. Ouais, vas-y, décris-moi ce que tu veux faire. Et vous êtes parti plus dans le truc. Bah tiens, je fais ça. Et je fais, ouais, ok, ça passe. Non, moi, juste à la fin pour le masque, là j'ai buggé, je savais plus là. Il m'a dit, bah, donne un coup de pied. Je fais, ouais, bon, je donne un coup de Ouais, pied. mais je pense que tu étais peut-être aussi crevé à la fin. Mais vraiment le côté où vous me décrivez vraiment. Ah ouais, non, mais moi je vois ça. Vraiment donner C'était le le côté discret, le. pouvoir. Donner le pouvoir aux joueurs. En partant du principe que je te dis si ça passe ou pas, mais décris-moi des trucs. Plutôt que ce soit le MJ à chaque fois de tout décrire et puis le joueur qui est juste là pour lancer le dé, quoi. Le MJ n'est pas la seule force créatrice là-dedans. Et 90%, enfin, tout comme moi, c'est comme ça que je trouve, c'est 90% du scénario se fait par les joueurs et par les actions des joueurs et par Oui, les idées bah des oui, c'est joueurs. ça. Ben moi, c'est comme ça que je pars en fait quand j'écris entre guillemets un scénario, parce que j'écris dis que j'écris, mais Bah, t'écris plus que moi déjà. oui, plus que toi. Mais j'écris pas tant que ça. Hein. Le reste, c'est vraiment les Après, joueuses et les joueurs qui. ça tient sur une page, quoi. Des fois, ce que t'écris, c'est 2 pages. Allez, 2 pages, mais ça me fait je sais pas combien de séances. Hein. Ouais. Ça me tient un moment. Hein. Mais voilà, des fois, je me dis que je devrais peut-être. Simplifier ou dire, alors non, on part pas là-dessus. Mais C'est quelquefois simplifier les intrigues. ouais, des fois je pense que je. C'est Enfin. plus simplifier les intrigues parce que tu as, je pense, peut-être le travers que moi j'ai eu et que quelquefois j'ai. C'est on a une bonne idée. Ah, Et il pourrait se c'est. passer ça. Ah, et puis il pourrait se passer ça. Ah, et puis il pourrait se passer ça. Et puis en fait, pour toi, tout est logique, mais pour le joueur, il est paumé en Ouais, c'est fait. ça. Mais en fait, ça se passe super bien dans ma tête. Ouais. Sauf que les gens savent pas ce qui se passe dans ma Bah tête. non, Mais pour comme eux, tu ça pars n'est du pas principe logique. que ça paraît logique, c'est comme si les gens devaient savoir ce qu'il y a dans ta tête. Ils savent pas du tout. Ouais. Mais c'est un travers que j'ai souvent. Hein. Mais c'est Et pas quand je veux, hein, le mais. même que j'ai. Et c'est pour ça, en fait, dans ma vidéo, ma vidéo était censée être plus longue. Parce que je parlais de séries que je donnais en conseil à regarder en plus que Columbo. Donc je parlais de Law and Order. Et puis l'autre série dont je parlais, c'était Scooby-Doo. Je donnais en exemple Scooby-Doo. Alors pas dans Scooby-Doo dans le sens copie du Scooby-Doo, mais. Parce que bon, bah, voilà, moi je suis pas un gros fanat de Scooby-Doo, mais Scooby-Doo. Il a cet avantage-là, c'est extrêmement simple. Ça tient sur un timbre poste. Et pour autant, crédible avec des gros guillemets. Hein. Mais l'intrigue est crédible parce que c'est l'oncle machin qui en fait Était jaloux de la était jaloux de la fortune. fortune et donc il a fait ça pour récupérer la fortune. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement simple, ça tient sur un timbre poste et quelquefois c'est juste suffisant pour que les joueurs adhèrent et comprennent. Parce que si on fait un truc à la mort-moelle-neuve, alors en fait, il se trouve que le personnage est lié par machin et que, en fait, pour que le joueur il découvre ça, à part si t'as vraiment des gros indices écrits dans le bouquin noir sur blanc qui dit, bah en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ou alors que t'as un PNJ qui arrive en disant, bah je vais vous expliquer l'histoire, ce qui est un peu dommage. Vais tout vous raconter, ce Voilà, sera plus c'est un peu simple. dommage en fait. Le PNJ peut t'amener sur la On piste, mais m'appelle c'est Père vrai que. Castor. Mais si c'est un PNJ qui vous explique tout, c'est que, bah, en tant que MJ, vous avez un peu loup, un peu loup, un peu. Alors après, ça, mais j'ai souvenir aussi, j'étais pas MJ, j'ai assisté à une partie masterisée où les joueurs ils captaient rien, et moi j'étais à côté, mais je fais, mais putain, c'est limpide en fait. Les indices sont parlants, il y a tout qui est là, et les joueurs ils vont. Bah non mais Dans l'autre c'était direction. nous mais toi tu nous masterisais du professionnel, il y a rien.
C'était Yoann qui voyait. Et Yoann, il voyait tout. Mais après, Yoann, voilà. C'est aussi l'avantage de connaître son. Mais nous, on était, MJ. Mais à des lieux de. De l'histoire. C'est... Et Yoann, qui, donc mon pote, qui jouait. Il jouait un gamin de 10-11 ans. C'était lui qui savait tout. Donc il est censé. Par quelqu'un qui prend les décisions, bah, au bout d'un moment, il disait, bah. On pourrait faire ça, mais avec une innocence de gamin. Parce qu'il pouvait pas dire, bah, je prends les choses en main. J'ai 10 ans, je vais pas dire à un adulte de 40 ans, fais ça, quoi. C'était une innocence de gamin. Et du coup, nous, on l'écoutait. On pourrait faire ça. Et ah, puis, bah après, oui, on y va. Ah, il est pas con, le gamin. Ah, on va faire ça. Sauf qu'au d'un moment, on faisait qu'écouter le gamin. On prenait pas de décision par nous-mêmes. Donc, ouais. J'avoue que c'était pas ouf. Ouais, ouais, donc c'est... il y a un côté décisionnaire où là, on se remet sur l'expérience du joueur et. N'est plus sur le personnage, notre personnage et mon personnage qui est censé être gardien de la loi ou ceci ou cela. Bon, en fait, je vais suivre les idées d'un gamin de 10 ans. Mon Scooby-Doo préféré, celui qui sort du plan habituel. Des... Bah, moi, mon Scooby-Doo préféré, c'est celui de Supernatural. Ah oui, il est bien. Il est con. Il est con, voilà. Bah ça, t'as toujours le cas... moi, j'ai souvenir d'une partie de jeu de rôle avec le frère de Garance. Le frère de Garance et... je jouais un personnage, bah, du coup, versé dans l'assassinat. C'était des assassins. Je sais plus comment il s'appelle, le clan assassin dans Vampire. Et... Oui. Enfin, un nom, les Achamis. Je sais pas le nom exactement. Et... Et je voyais le plan. Donc, je voyais aussi où le MJ voulait nous emmener. Et j'étais là auprès des joueurs. C'était pour certains, en tout cas des joueurs débutants. Je fais, non, mais on va se faire entuber. Faut pas faire ça. Et les autres joueurs, non, je vois pas pourquoi. C'est limpide. Non, c'est un piège. Et puis, bah, boum. À la fin, c'était un piège. et toi, derrière, en disant, bah, je vous l'avais dit. Et les autres joueurs, plutôt que de te dire « Ah ouais, bah effectivement, on s'est fait avoir, tant pis. Bah t'es con, t'aurais pu être plus parlant, comme vous pouvez le savoir. Je vous l'ai dit depuis le début, en fait. » Sauf que bah, tu joues ton personnage, donc vu que tu es un assassin, tu vas pas arriver en disant « Bon, écoutez, je suis extrêmement psychologue avec vous. L'assassin » Dans Vampire. L'assassin psychologue. Ça peut exister. Dites-moi ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ma gorge était tranchée ou... Couteau dans le bide. Oui, mais ne dites-moi plus. L'assassin psychanalyste. Je crois qu'il y a un rapport avec votre mère. Quoi? Le mec qui te tue avec Freud. Oh non. Oh, je saigne des oreilles et des yeux. Oh, non, voilà, ça fera 60 euros, s'il vous plaît. Ah, grosse peine. Ah oui, parce que c'est une façon de tuer. Ok. Alors, après, bon, je vous l'ai pas dit, mais si vous aviez des sujets que vous souhaitez aborder. Je pense qu'on va arrêter peut-être un quart d'heure le live. Oui, on papote. Parce que, voilà, papote, elle était vraiment effrite, quoi. On est parti en cacahuète, on n'a pas du tout respecté ce qu'on voulait faire. Hein. Pas grave, c'est rigolo. Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est un truc qu'on pourra faire de temps en temps, effectivement. Ouais, comme disait Win, une table ouverte. Ouais, c'est une table ouverte. Alors à la base, je voulais qu'il y ait moi et. Ils viennent de relancer sur Twitter. Bon, c'est pas grave si on déborde un peu. Ah, vous venez de relancer sur Twitter. Vous venez de refaire la pub. Ah merde. Ouh, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, c'est gentil, Lucie, de dire que c'est tellement. D'ailleurs, en attendant, je vais regarder si après qu'on finira le live, qui on ira raider. Ah oui, d'accord, Soska, tu vas rester. Ouais, ouais, la flemme, quoi, Soska. C'est Lucille qui a fait tout le boulot, quoi. Bravo. Ouais, bah, il y a juste Jeannot. En fait. Il y
On verra, on Ouais. verra après. Mais ouais, enfin tout ça en JDR pour. Je sais pas s'il y a des thèmes en particulier à aborder. Ou... J'ai entendu gentil Lucille dans une phrase de Verdade. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est pas C'est faux. une pomme d'amour. C'est une pomme d'amour. C'est pas faux. Autrement que partir. Ben ouais, mais je pense qu'il faut. Ouais, mais alors en fait, c'est un peu improvisé parce que c'est vrai qu'à la base, quand j'aime bien le principe de faire une vidéo, de la sortir sur YouTube et quelques jours après de faire un live pour en parler. Et c'est vrai qu'à la base, je l'ai fait un petit peu égoïstement en disant oh, je ferai un live ou je discuterai avec le chat, puis après je me suis dit. Et que ce matin, où je me suis dit, mais putain, on va trop faire, en fait, inviter quelqu'un et en parler. Je n'étais pas son premier choix, il faut le savoir. Si, mais j'ai prévu qu'on soit trois, en fait. J'avais prévu qu'on soit trois. Et je me dis qu'en fait, non, trois, c'est peut-être trop, deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Moi, j'avais prévu de faire avec Ou des, Grenadine. ou des gens que tu connais suffisamment bien pour savoir que personne va trop se... Sans piété, tu Ouais, sais. ouais, ouais, mais je me dis qu'effectivement, peut-être trois personnes, parce qu'en fait, on a quand même pas mal discuté, on a parlé de plein de sujets, et je me dis que peut-être à trois personnes, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses, on a quand même parlé de beaucoup de choses, hein, Ouais. à deux personnes, c'est bien en fait. Parce que, voilà, vu, j'ai le sujet, c'était les scénarios d'enquête, et en fait, toi, tu fais quasiment. En fait, avec Cuisine, c'est que du scénario d'enquête. Bah, Pas quelque part, d'action, pas quasiment pas de combat. non, mais même c'est pareil, dans The Witcher, il y aura quelques combats, mais en fait, je réalise que je reste quand même pas mal sur ouais, de l'enquête. Ouais, un mystère ou un truc à résoudre. Il y a forcément quelque chose à résoudre. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose que j'aime bien, moi. Jeux de société d'enquête, ou même... Ouais, on parlait des... Ouais, c'est un style qui me plaît. De faire que de l'action en JDR. C'est du DD, quoi. C'est du bah ouais, puis ça t'apporte quoi, en fait enfin, je sais pas. Il faut un but. Ça m'amuse pas, tu ouais. Vois. Donc, l'enquête, ça s'aide bien que, en fait, tu peux varier pas mal de... Donc, moi, j'essaie de le faire sous le versant de l'horreur, où l'horreur reste relativement soft, parce qu'en même temps, j'essaye de voir ce que je m'autoriser à faire et ce qui marche. Ouais. Et puis après, voilà, je tenterai, je pense, d'autres choses. Bah oui, mais non, mais déjà, moi je trouve que tu démerdes et puis je pense que tes joueurs et joueuses présents ne démentiront pas. Enfin, pour quelqu'un qui a commencé à masteriser que quelques mois, enfin, c'est vachement bien. Alors après, ton style de masterisage, c'est le style que j'aime aussi. Bah, en même temps, c'est le style que j'apprécie parce que c'est le style que j'ai fait auprès de toi et Johan, finalement, hein, que j'ai le plus fait aussi. J'aurais fait, par exemple, je n'aurais fait que du porte-monstre-trésor, j'imagine que j'aurais fait du porte-monstre-trésor entre les jeux. Bah, par exemple, c'est aussi. J'ai pas continué le Cthulhu avec Padre Pio parce que déjà on était trop. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des limites de joueurs. Voilà, c'est sur du distanciel, c'est très compliqué. C'est très compliqué et Padre Pio, c'est un excellent narrateur, un très bon conteur en fait. Il connaît les contextes, il décrit vachement bien, il te fait des super descriptions comme moi j'en ferai jamais. Il y a beaucoup de vocabulaire, enfin, c'est très agréable, mais en même temps, c'est extrêmement dirigiste. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas exprimer. Le scénario serait passé de comme ça, quoi qu'on fasse. Oui, je vois ce que... Et si on rate un jet de dés... Ça serait passé quand même. Alors, soit ça serait passé quand même, ou soit ça serait la fin du scénario. Alors après, on me dira, oui, mais c'est que tout. Non, enfin... Moi, ça me... Ça change pas. Yes. Voilà, c'est extrêmement dirigiste. Et puis surtout, il faut que ça tienne en 3 heures. Quoi qu'il arrive. Ça fonce. Et puis, il y a des moments... Où moi, je me rappelle dans la partie, j'ai dit, bah tiens, je me ferais bien une petite amourette. Ben, il me l'a autorisé, hein, j'ai eu une petite amourette derrière. Ça peut être intéressant à développer, je peux avoir des pistes avec elle, ça peut me faire rentrer, etc. Et en fait, bah, vu que c'était pas prévu, bah, ça m'a rien apporté. Donc j'ai eu mon côté quand même plaisant en tant que joueur, je jouais un personnage qui était un peu séducteur. Bah voilà, j'ai eu mon côté séduction, j'étais content, etc.
Mais derrière, j'avais pas fait ça en disant, bon, je suis vraiment séducteur. Ouais, je vais avoir un PNJ que je vais mettre dans mon escarcelle de Oui, PNJ utile. c'était pas juste pour du lol, pour te lâcher, Ouais, pour te voilà. défouler, c'était il fallait que ça apporte quelque chose derrière. C'est crédible avec mon personnage, ça étoffe mon personnage et ça peut aider au scénario. Et puis, bah, voilà, c'est. Le scénario doit aller dans une direction et basta. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup. Ah, moi, ça me fait pas plaisir, en fait. Je suis là à regarder l'heure passer en disant, bon, bah. 23h, 23h30, que je puisse C'est faire une triste. autre. Enfin, non, mais. Et, alors que, pas. C'est un bon master, hein, attention, hein, je veux pas qu'on comprenne. Ouais, non, tu critiques. C'est juste que c'est pas ma façon De de jouer. jouer. C'est pour ça que dans mes tables, moi, je veux pas plus de 4 joueurs. Pour que chacun puisse s'exprimer, que puisse. Et moi, je suis extrêmement frustré. C'était le cas, par exemple, j'ai pu avoir cette discussion avec Théo, par exemple, quand il était dans nos premières parties, où on ne l'entendait pas du tout du scénario. Et moi, je fais, non, ça me convient pas. De pas t'entendre du scénario, d'être passif ou être là que pour. Surtout quand tu joues un personnage qui est censé être le plus intelligent du groupe, un peu savant fou, etc. Mais tu dois avoir plein d'idées, quoi. Tu dois quelquefois être porteur, ou alors même les gens, quelquefois, vont se retourner vers toi en disant, sur ce sujet-là, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Et t'étais pas là, quoi. Alors après, bon, c'était un peu intimidant, et pas non plus prendre, Donc et ça c'était au c'était début, louable il de a sa part. commencé. Non, c'était louable de sa part aussi, de côté de dire, j'ai pas envie de prendre la parole des femmes, en fait. Il avait peur de ce travers-là. Donc c'est vrai qu'on était Parce ici. qu'il y avait que des nanas, et il avait peur d'avoir le travers des mecs, de, ben, je parle à la place des nanas, ou je coupe une nana, etc. Mais voilà, moi, côté frustré, que des joueurs peuvent pas aimer, ils peuvent pas s'amuser, en fait. Bah, et puis chacun a sa façon, enfin je veux dire, les MJ qui vont s'amuser de telle manière, les joueurs qui vont s'amuser, je sais pas moi, avec telle façon de jouer et pas une autre. Enfin, c'est entendable, hein, chacun a son. Et on n'est pas là pour critiquer, pour dire c'est ça ma façon et c'est la meilleure façon. Pas du tout ça, hein. C'est juste que, effectivement, et moi je comprends, moi j'essaie de m'assurer que tout le monde passe un bon moment, que voilà, le but c'est que. Bah, moi y compris aussi. Et alors que je suis quelqu'un qui a souvent tendance à se dire, moi c'est pas grave, les autres d'abord. Et voilà, et que bah, Anash, parce que j'ai quelqu'un qui est venu dans un de mes lives, Kali, qui s'appelle Anash. Et il était incapable de me dire qui lui avait parlé de nous. Donc c'est toi, en fait, Kali. il joue à notre table à notre deuxième table de Wizin. Ah, attends, parce que non, mais il y avait quelqu'un qui était. Oui, bah c'est qui jouait, c'était Anash. Ah Non, ouais? je crois. Bah, du coup, je suis prêt. Je vois Anash, ça me Tu joues rappelle sur quelque notre chose. deuxième table Mais de ouais, Wizin, je Anash. suis. Non, Non, c'est. c'est toi, ah Oui, d'accord. ça vient de. Non, Si, il est de la table de Soska. mais sinon, je suis d'accord avec toi, Kelly, ouais, sur le côté bah, extrêmement direct. C'est un scénario du commerce, du coup, avec des prêts-tirés. Et alors, ça, par contre, c'est un truc sur lequel moi j'ai super mal, parce qu'en gros, Padré a avoué qu'il l'avait déjà fait jouer. Je ne vois pas l'intérêt Rejouer. de refaire Bah, rejouer moi, avec exactement les mêmes personnages. Moi, j'ai déjà refait rejouer ouais. un scénario. Mais avec des personnages complètement différents. Et c'est ça qui est rigolo, parce que ton scénario n'est absolument pas le même. Mais là, si tu fais des pré-tirés et tu joues le même scénario, enfin, excuse-moi, mais tu. C'est juste rembobiner la. C'est juste une reprise. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi pour ça que moi je préfère prendre des libertés en créant mes scénarios que prendre les scénarios du commerce, qui par contre peuvent m'inspirer. Parce que j'en ai lu par exemple pour Wizine. Ça peut m'inspirer, ça peut me donner des idées. Mais j'aime bien prendre mes libertés sur mes trucs à moi. Bah, il faut. Donc je préfère faire ma mayonnaise en m'inspirant de plusieurs trucs que de prendre un papier où déjà tout est écrit et où je me connais. Genre, vont avancer, je vais être là. Alors, où est-ce qu'ils s'en sont? Tu frappes à quelle porte déjà? Donc, de me dire, bah oui, tu frappes à la porte. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ça va être l'impro total. Donc, ouais, mais voilà, j'en ai lu, ça donne des idées. Il y en a qui sont plus ou moins bien écrits. C'est variable, je trouve. Je peux lire un scénario du commerce. Je préfère mettre. Préfère des séries ou les films. C'est plus sympa pour donner Ouais. que lire des scénarios du Bah, commerce. alors moi, comme je disais dans la vidéo, je suis pas fanat des scénarios du commerce. Par contre, faut les adapter. Moi, je suis pas contre.
J'ai souvenir de. Voilà, par exemple, dans Meute, je vous ai fait un scénario qui est à la base un scénario de Julien Moreau, qui avait publié dans un Casus Belli, il me semble, et je l'ai adapté. Et d'ailleurs, Julien, il est passé un moment dans le live, il a fait. Ouais, enfin. Non, mais il a fait. Bah, c'est pas comme ça dans mon. C'est pas comme ça dans mon scénario. Mais je fais. Non, non, mais c'est normal, quoi. Je l'ai adapté à ma sauce. J'ai pas copié tel quel ton Inspiré. scénario. Libre inspiration. Libre inspiration. Et d'ailleurs, le PNJ, la vouivre qui était dans le scénario, je l'ai remodifié un petit peu à ma sauce et c'est devenu le PJ Oui, quand t'as joué, quand j'ai joué en fait. Et je l'ai fait, voilà, je l'ai fait à ma sauce aussi. Mais il faut faire ça en fait, il faut vraiment adapter. Prendre le scénario du commerce, l'ouvrir. Moi, j'en ai vu plein de MJ qui font ça. Hein. Ils ont le scénario du commerce. Bon, je vous masterise un truc. Bon, je suis allé. Ça, c'est un pote, ça. Bon, j'ai pris mon bain ou j'étais aux toilettes, hein, le fameux bureau, où j'ai lu le scénario. C'est bon, je vous fais le scénario. Et tu pouvais être sûr que pendant la partie, bah, tu faisais un peu chier dans le sens où le scénario n'était pas forcément travaillé. Il n'était pas adapté, en fait. Il n'était pas adapté. C'était froid, en fait. Alors que quand tu as une implication émotionnelle, parce que. Tu démarres un scénario en disant ton PNJ s'est fait enlever. Quoi, mon PNJ s'est fait enlever, il n'y a pas moyen. Ou quand il y a le vilain que tu poursuis depuis trois scénarios qui te passe devant en te faisant des gros fucks et en disant je t'ai bien entubé et puis toi tu te fais oh, putain l'enfoiré. Bah, t'es tout de suite beaucoup plus investi que bah, vous êtes dans une taverne et il y a un type qui vous propose une mission. Cool. Cool, mais moi je suis pas mercenaire, je m'en fous de la mission quoi. Donc voilà, hein, travaillez, impliquez vos joueurs et n'hésitez pas à faire bah, justement une intro pour justement si vous ne savez pas comment impliquer vos joueurs, faites un scénario d'intro à vos joueurs Bah tu vois, moi ouais, et voyez ce qui en est, je sort. commence tout juste ça et du coup tester les scénarios entre pas solo, mais entre deux gros scénarios de groupe. Pour continuer de faire vivre en fait. Après ça c'est vrai que c'est quand tu es vraiment sûr. Moi, comme je disais, c'est ma difficulté, c'est vraiment d'amorcer parce que pour l'instant, j'ai pas d'éléments. Alors, j'ai quelques éléments là avec. Je suis en train de bosser sur les héritiers. Je suis en train de commencer à faire. Il y a une thématique entre tous vos personnages. Ouais, j'ai hâte aussi, mais pour Va te l'instant, revenir. parce que je vais avoir des joueurs que je connais pas, notamment je vais avoir Chetty. Joueuse, pardon. Joueuse, je connais pas. J'ai que des joueuses, ouais. J'ai Chetty. Je ne connais pas et j'ai Grenadine que je ne connais pas. Même si j'ai aucune crainte. J'ai vraiment aucune crainte au niveau des joueuses. Mais voilà, Morgane, je sais dans quelle direction l'emmener parce que je la Toi, puis connais. tu sais comment je joue. Garance, j'ai aucun problème à savoir où je vais l'emmener. Voilà, ça va faire. Mais à un moment, il va falloir que j'arrive à centraliser, donc ils ont tout un point commun, c'est ça d'ailleurs, bah, je peux vous expliquer au début. Les personnages de mes joueuses, elles ont tout un point commun, elles ont tout un lien, de près ou de loin, avec la pègre. Donc ça va être mon fil conducteur en fait. Faut regarder ce qu'on vous, quand vous créez un groupe, que vous. Alors, c'est la première fois, moi d'habitude, je crée d'abord un groupe et après les joueurs créent leur PNJ. Leur PJ, pardon. Là, j'ai fait l'inverse, j'ai fait, vous me créez les PJ, vous connaissez pas. Donc chacun fait ce qu'il veut et moi j'ai à la limite je dirais ah bah tu veux faire un médecin il y en a déjà un. Voilà ce genre de truc. Mais Bah moi je fais toujours dans le sinon. sens. J'ai genre bah, une idée, vas-y, crée, on va voir. Et puis après Ouais. c'est moi qui vais vous rassembler. Mais ça peut créer un souci. Ça peut être dangereux. Parce que tu peux arriver avec des joueurs qui te disent bah moi je fais une femme de ménage et l'autre qui te dit bah moi je suis président d'une multinationale. Qu'est-ce qu'ils veulent Ah, ensemble? Ouais. comment je vais regrouper ça? Enfin, non, j'exagère, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. ça peut être compliqué pour un MJ d'arriver à regrouper. Moi, pour l'instant, même si j'ai un point commun. Donc là, du coup, je regarde quel est le point commun entre vous quatre. C'est ce point commun-là. Donc, je vais tourner ça. Et puis après, je vais faire le scénario du bouquin de base, mais que je vais adapter à ma D'accord. sauce. Ah oui. Mais le scénario du bouquin de base, il est très bon. Il est très bon. Et je l'ai lu, c'est de l'enquête. Ça me va. Il est Il n'a sympa. pas besoin de travailler.
Si, parce qu'il y a des trucs. Bah, quand tu fais du présentiel, t'as beaucoup plus de travail à faire. Enfin, du Distanciel. distanciel, pardon. T'as beaucoup plus de travail qu'en présentiel. Beaucoup plus de travail. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai pas fait assez. J'ai fait plus de distanciel que de présentiel. Bah, faut que tu prépares. Enfin, c'est con à dire. Hein, alors après, je pourrais toujours tricher. Mais la technique de MJ, c'est. Tu as un joueur qui. Machin, et toi t'as pas prévu que par exemple le vilain ou qu'un PNJ tape Ouais. le joueur, bah, tu fais semblant de lancer un dé, dis on pif s'il réussit ou s'il réussit pas. Voilà, en fonction de comment ça arrange ton histoire. Et tu donnes l'illusion au joueur que tu fais un jet, Pas du tout. alors que pas du tout. T'as aucune idée des caractères, tu jettes le dé derrière et puis. Ah ouais, bah ton truc passe. Mais en fonction de comment ça arrange ton histoire. Parce que derrière, le simple fait, si tu dis. Si le joueur échoue, enfin, du moins si mon PNJ réussit, plutôt que le joueur échoue, parce que c'est le joueur qui lance son dé, mais si le PNJ réussit, et que ça peut amorcer une bonne idée de scénarisation, etc., bah, tu fais que ton PNJ réussisse, t'en as rien à branler, hein. T'es le dieu de ton univers, donc si ton PNJ doit réussir, il réussit. Mais le but, c'est pas de créer une frustration, il faut pas que tous tes PNJ réussissent tout. Parce que là, après, le joueur te dit, bah ok, bah, les PNJ sont invincibles, et puis moi je suis. Faut pas donner cette impression-là. Mais si ton PNJ réussit pour que ça crée un effet, ouais. Si ton PNJ échoue pour que ça crée un effet, ouais, fais semblant de lancer des dés. Le but, c'est de créer une bonne ambiance et de créer une bonne histoire. C'est ça le Je vais plus faire des important. lancers de dés random sur les trolls Bah non, parce que bah du coup, let's roll, le désavantage, c'est que tu ne peux pas créer ce faux bruit de lancer de dés. maintenant. C'est un effet psychologique qui n'est plus présent. Donc tu peux dire, bah je prends un dé et je le jette à côté de moi. C'est un truc que je préfère. Mais il n'y aura pas Non. ce côté. Enfin, c'est con, c'est psychologique pour un joueur. Il y a énormément de psychologie. Hein, quand une partie de jeu de rôle sur les effets que tu vas mettre. Hein. Moi, les MJ qui bossent pas du tout le côté psychologique que tu peux avoir au sein de même d'une table, au sein de l'ambiance, ils n'ont rien compris au jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est tout un ensemble. Là, je peux vous assurer que le bruit des dés derrière un paravent, son effet, et de ne pas jeter les jets de dés et de dire juste à un joueur, ça passe pas. Là, vous allez créer beaucoup plus de frustration que Ouais, de je vois. lancer le dé et de dire un jour, ça passe pas. Ça va être la caution morale pour que votre joueur il dise, ok, j'accepte le fait que ça passe pas. Voilà. Tu peux faire des GMJ quand le joueur ne le voit pas. Oui, Ouais, enfin, mais non, ça n'a pas mais le même. ça n'a pas le même impact. Alice, ce que je veux dire, c'est que je peux faire des G sur Let's Roll, mais ils sont visibles. Je peux faire des jets invisibles, mais vu que je live, c'est visible par les gens derrière. Le but, c'est de faire le bruit du jet. C'est-à-dire que tu donnes cette impression de faire un jet. Mais si quelqu'un autre que toi voit le jet dès que tu fais, c'est forcément soumis d'interprétation. Qui va amener à poser des questions en disant, bah je comprends pas, il a fait un 1, tu dis qu'il réussit. Selon les règles, c'est pas censé réussir, tu vois ce que je veux dire? Ah voilà. Donc, non, le côté distanciel, c'est une autre façon. Le distanciel, c'est une autre façon de De réinventer jouer, je pense, ouais. le jouet. Il y a des trucs qui fonctionnent mieux, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. Donc, forcément, tu communiques pas de la même manière le jeu de rôle en distanciel. Ça pourrait être du coup le sujet d'un. Bah non, bah, d'une prochaine vidéo distancielle qu'on va On faire. va complètement partir sur le jeu, Non, enfin. mais bon, là il est tard et puis. Mais non, mais ça peut être une bonne idée. Enfin, moi, je trouve ça intéressant de parler sur le jeu de rôle parce que je trouve pas qu'il y ait réellement. On pas vraiment de jeu de rôle. On va parler. Ah, bah, il y a tel jeu de rôle qui sort, il y a tel jeu de rôle qui sort, il y a tel système de jeu, tel système de jeu. Mais je trouve qu'on parle pas assez peut-être de la dimension création sociale. Ou alors, quand je vois des conseils de jeu, je m'y reconnais pas. Parce que c'est tout le temps. Mécanique. Bah, tu vois, quand j'ai lu Wizin, qui est créé par un Français. C'est Benoît Tinost, il me Oui, semble. c'est ça. Lui, il a mis des conseils, mais aussi en termes d'ambiance. Donc, il donne des conseils de films ou de séries à regarder, de musique à écouter ou à Ouais, bah mettre. carrément. Et en disant, ben voilà, n'oubliez pas que c'est l'ambiance, travaillez plus ça, plus ça, plus ça. Et du coup, c'est, je dirais, plus accessible en termes de conseils que bon, côté lourdingue du jeu de rôle The Witcher, machin. Ah ouais. Au lieu de lancer 3D, lancez juste en 1 et puis faites telle opération. Non, mais en fait, ça me simplifie rien et je m'en fous, tu Ouais. vois. Je vais adapter encore autrement, tu Ouais, vois. clairement.
Non, mais les conseils mécaniques, moi c'est le problème Moi que je fais moi du jeu de rôle, je je. fais pas des maths, hein. Si je devais faire un gros reproche aux héritiers, c'est que derrière, eh ben, ils ont essayé de refaire une liste d'actions possibles pendant un combat en disant bah, pour faire telle action, c'est tel G, pour faire telle action, c'est tel G, pour faire telle action. C'est bon quoi, c'est bon. Faites un truc simple quoi, faites un truc simple. Je pense que l'évolution du jeu de rôle, en tout cas en ce moment, on délaisse de plus en plus les mécaniques pour aller vers le narratif, ce qui pas pour me déplaire. Bah, moi, je trouve que du coup, tu te penches plus sur le moment ensemble Ouais. que sur le Ah bah, faut que je jette un dé. Ah bah, attends, il faut que je compte. Qui te casse, je trouve. Tu peux te casser une partie ou un Ouais. moment. Alors que t'as un moment de tension en disant Si je rate mon jet de dé, c'est la merde. Bah. Tu lances un dé et c'est. Ça va être fluide que de lancer ton saut de dé en pensant alors à tes compétences pour ajouter ton bonus. Ah oui, mais non, j'ai mon malus. Mais si je prends mon épée, ça fait ça que. Alors là. C'est pour ça, là, moi, j'ai une idée qui me trotte en tête de création de jeu de rôle avec une petite mécanique jeu de société, mais pas dans le système jeu de dés. C'est avec un système qu'on retrouve dans un jeu de société, et je suis en train de réfléchir. J'arrive pas à trouver mon fil connecteur, mais en gros, ça permettrait. C'est un jeu de rôle qui tiendrait dans un deck de cartes. C'est-à-dire que vous vous Du dites, vous design. arrivez en disant, je ferais bien ta partie de jeu de rôle avec des potes. J'ai pas envie de me farcir un univers, vous avez juste votre deck de cartes. Et vous sortez les cartes, vous faites une distribution. T'as dit, vous sortez là, du Non, cul. mais vous sortez votre deck de cartes, vous distribuez les cartes selon les règles spécifiques, etc. Ça vous donne les lignes directrices pour créer, chacun créer son personnage. Ça donne au MJ des règles du jeu. En gros, tes contraintes données éventuellement par les joueurs en tant que maître du jeu. Et tu t'improvises en une demi-heure le temps de création de vos persos incluses. T'as ton scénario, enfin ton groupe qui est créé, et tu te lances une aventure, alors basico-basique, hein. C'est Call to an Adventure que tu nous fais. C'est une sorte de call to adventure, mais encore plus simple, avec un système de jeu 4. Je suis vraiment en train de réfléchir et il manque pas grand-chose, il manque la petite connexion. Et donc c'est ça, t'as ton deck de cartes, par exemple univers Heroic Fantasy, t'as ton deck de cartes, et hop, on a envie de se faire une sorte de donjon, allez hop. Pap, 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 tu distribues les cartes. Et hop, tu te lances dans l'aventure, quoi. T'as juste tes cartes qui te servent de fiche de personnage. Et. Partie éclair. Non. Alors, le nom, ça me viendra, je pense, à un moment. Mais. Mais effectivement, c'est pour mettre quelque chose Voilà. vite. Par contre, c'est un truc qui est en distanciel, ce qui ne peut pas fonctionner. Parce Non. que, dans mon idée, c'est vraiment d'avoir le matériel, quoi. Mais c'est vraiment. Ça vous dit qu'on se fasse une partie de jeu de rôle qui tient en 3 heures, une sorte de petit donjon, quoi. Mais comme tu te dis d'un moment en jeu vidéo, tiens, je vais me faire un petit Dungeon of the Endless, comme on peut se faire à certains moments des petites parties de jeux vidéo, en disant je me fais une run. Oui. On peut se faire des petits runs De JDR. de JDR qui durent pas des heures, un petit truc où tu vas te fendre la poire avec deux, trois potes, avec un MJ. Et où t'es pas obligé de te farcir 300 pages d'univers et de règles, quoi. Donc, voilà. Et non, bah, oui, ça reste en bah, en fait, le matériel, c'est Un juste un deck de minimum. cartes. Un deck de cartes, et à chaque partie, c'est du one shot, par contre. Alors, à part si tu veux jouer en mode campagne, tu peux jouer en mode campagne, mais en gros, chaque Ouais, mais partie, auquel tu peux cas, te faudra dire, déployer pap, autre pap, pap, chose tu pour un distribues les vrai cartes. mode campagne, tu vois. Parce Ouais. que là, ton côté carte, c'est vraiment pour un Ouais. truc éphémère. Éphémère. En gros, c'est un système, tu des cartes, un système de draft, parce qu'en fait, la création de personnage, elle est collaborative. T'es pas dans ton coin avec tes cartes en disant, bah moi je prends ça, je fais ça, je fais ça. C'est ok. Si je prends ça, je laisse au groupe la possibilité de prendre telle carte, mais je laisse aussi au MJ la possibilité de prendre tel effet qu'il pourrait utiliser en jeu et qui va éventuellement lui permettre de nous foutre ça dans la gueule. Donc en gros, ça va être le choix entre est-ce que je me rends plus puissant ou est-ce que je rends plus puissant le MJ? Ou quoi, est-ce que je lui laisse les outils pour nous foutre des bâtons dans les roues? Alors le but, ça va pas non plus du jeu de rôle extrêmement élaboré, mais de quoi se faire des petites runs de JDR rapidos quand on n'a plus le temps de se taper 300 pages d'un C'est univers. drôle parce que ce que tu dis sur la création de perso, c'est une réflexion que j'ai en moi-même, hein, qui a aucun rapport avec. Mais tu vois, quand je crée un perso, ben en même temps c'est moi, hein, c'est mon caractère, je vais le créer en rapport avec les autres. Je vais être incapable d'être la première à créer mon perso.
Ouais, bah c'est le gros problème que j'ai quand je crée des personnages généralement avec vous. Et Incapable de créer en très premier mon souvent, personnage. si j'ai pas quelqu'un qui a une idée en disant ah oh, moi je jouerais bien ça, j'ai généralement le groupe qui fait ça dépend, les autres ils font quoi? Bah c'est les autres ils disent exactement la même chose que toi, les autres font quoi? Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend un tant soit peu le lead en disant moi j'ai envie qu'on parte dans telle direction, c'est pour ça que quelquefois c'est un petit conseil de MJ que je peux vous donner quand vous une table. En fait, remplir un questionnaire. Vous choisissez cinq grands thèmes de votre univers. Je donne un exemple avec Seven. Alors, thème complot, thème intrigue, thème exploration, thème sorcellerie. Voilà, par exemple, des grands thèmes. Et vous dites aux joueurs, voilà, vous avez 10 points à répartir entre tous ces thèmes-là. Le maximum que vous pouvez mettre, c'est 5 points. Le minimum que vous pouvez mettre, c'est 0. Parce qu'en gros, Mais dans 5, l'ordre. 5, vous en voulez. 0, ça ne vous intéresse pas. Et tu fais la moyenne de tous tes joueurs. Et tu regardes en gros les thématiques qu'ils n'ont pas envie de voir et les thématiques qu'ils veulent absolument voir. Et comme ça, tu es sûr de faire plaisir qu'à quasiment tout le monde. Et puis, tu ne fais pas l'erreur de mettre un thème qui va les emmerder. Voilà. Donc, ça, c'est petits conseils que je fais, que généralement, quand je ne sais pas trop, quand le monde est vaste. Ça te donne une thématique. Ah bah tiens, il y a Théo Il est revenu, qui est revenu, j'ai il pas m'a vu. dit Salut que le Théo. JD. Ah ça y est, ok. Voilà, bon bah je crois qu'on On va clôturer là, parce que c'est termine vrai là, qu'on ouais. peut partir de sujet en Ouais, sujet. puis en plus, parle de mon C'est vaste. idée, j'aimerais éviter de trop en parler avant que ça soit un tant soit peu fiable, ou au moins que j'ai un proto, un début de quelque chose. Non, juste, c'était passant des fois de savoir quoi créer comme perso. L'avantage de Wizin, c'est qu'on a réussi à partir dans une direction perso et que ce soit cohérent. Oui, et en même temps. C'est à la fois, je pense, l'avantage et le défaut, c'est d'avoir trop de choix, de pouvoir tout faire, tu sais plus quoi faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais commencé, je crois, avec vous, d'écrire un peu l'univers, ce que vous pouvez, enfin, en gros, jusqu'où ça pouvait aller, et ensuite, après, voir si vous aviez des idées, des concepts, et après, proposer ensemble ce qu'on pouvait faire, quoi. Et effectivement, la mayonnaise a pris pas mal. Bah on va s'arrêter là, On va les amis. s'arrêter là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un raid. Parce que la dernière fois, je voulais faire un raid sur Jano, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va retenter de faire un raid sur Janonymous. Donc, surtout, vous quittez pas. Je vais pas clôturer, je vais juste mettre un stream ending. Donc, n'hésitez pas à venir faire un coucou à Jano. Hein, vous bougez pas, je prépare le raid. En tout cas, bah, merci d'avoir Oui. été bah, somme toute assez nombreux. Au début, je crus vraiment qu'il n'y aurait Et il y a quand personne. même des gens qui sont Mais il y passés, a des gens qui sont merci. percés, donc merci à vous. C'est tout de suite beaucoup plus agréable quand il y a des gens avec qui discuter, échanger, plutôt que de monologuer tout seul. Et puis, bah, merci à ceux qui ont au moins regardé la vidéo. Hein. Cali, regarde la vidéo, comme ça tu verras que plusieurs fois dans la vidéo, j'ai indiqué l'heure du stream. Non. Ouais, regarde un replay, il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous À remercie. une prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien et la bonne soirée. Ciao, ciao. Salut! Alors, bougez pas, on vous prépare le raid. Hein. Merci Kafa pour le raid. Bienvenue les gens. Oui, la
tourelle est foutue. Belle analyse. Ah, il y a Batman, je raid. Merci beaucoup.